comment allez-vous? Bonsoir à tous. Je suis désolé, je mets un peu de temps à cette œuvre parce que c'est la première fois. Alors je crois que le son c'était complètement trop fort, c'est ça, si j'ai bien compris. Salut à Jay, salut David Vial, salut Moustique, salut The Coconut Man. Alors, vous allez m'aider. Merci à Kinadine qui vient nous host. Qui vient nous host avec après son live. Salut Crypte, salut tout le monde. Alors pour le son, vous allez m'aider à setup. Dites-moi si c'est trop fort, je peux baisser encore. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout le même retour que vous pour le coup. La caméra, c'est pas très très bien setup. Ouais, comme moi je suis pas habitué, d'habitude c'est Belle qui setup les streams. Un peu fort, mais ouais, sûrement un peu fort. Yes, c'est peut-être mieux. Vous allez me dire, je prends le temps qu'il faut pour que ce soit setup pour les prochaines fois. Salut Bojo. Musique trop forte, ok. Eh ouais, vraiment trop forte, pas de soucis. Alors, la voix, comment elle est? Comment elle est la voix? Est-ce que le micro, par contre, lui, vous m'entendez bien? Salut Cléonilor. Salut. Est-ce qu'au niveau du micro avec le casque c'est pas trop trop désagréable? Est-ce que c'est bien? Mic pas trop mal, ok. Salut fou, salut Dragbalo. Toujours trop fort la musique, putain c'est dingue. Pourtant moi je l'entends quasiment plus quoi. Comme quoi c'est compliqué à setup, ouais. D'accord. Je pense qu'on devrait être sur un bon truc là. Attention au souffle, alors je vais décaler le micro comme ça. Bonsoir Recon WTF, bonsoir CPC McCain, micro ok mais musique trop au-dessus, yes, baisse encore la zik, ok. Et c'est dingue ça. Est-ce qu'on est bien au niveau musique? Salut Juntero, salut Keldoran. Un peu fort la musique. Ah mais j'ai tout fait péter alors, c'est pas possible. Si on baisse encore la musique, bah normalement ça devrait être ok je pense. Dites-moi, hein, j'attends que tout soit ok. C'est parfait là, on est bien? Vous entendez bien? Hop. Ok Jess, vas-y envoie la facture. Et franchement, moi je n'entends même plus la musique, donc c'est, je pense que le réglage son il doit être un peu particulier, je verrai avec PL ou quoi. C'est moi où il y a un méga décalage entre le son et la caméra. J'espère pas. Le problème c'est que c'est pas une caméra, c'est pas une webcam, c'est la caméra qui est intégrée au PC. Et je peux pas faire autrement. Encore trop fort la musique. C'est plus possible là. Je sais même plus ce qu'on entend. Salut Wiki. Salut Astonished. Salut Fufulcanelli. Salut Gufoa. Non, le décalé c'est bon. Bon stream à toi, et ben merci beaucoup Servir Frais, salut à toi. Le son est décalé. Là c'est bien. Ouais je t'entends en fond. Merde, comment je peux régler ça moi? Quel est le setup qui... En fait c'est la caméra qui déconne quoi. Là c'est bien il me semble. Vous êtes sûr, je veux pas que ce soit désagréable pendant tout le live quoi. J'ai acheté tout le matos, ça me ferait yesh que ça soit pas quali quoi. Bon, ça sera toujours moins quali que sur les lives à deux avec PL, mais. Parce que j'ai pas de micro, j'ai pas de setup derrière. Mais... Salut Val, on t'entend pas trop bien. Ah, on m'entend pas trop bien moi. Donc, du coup, je me monte un petit peu. Salut Very Bad Bunny, salut Céleste. Est-ce que vous m'entendez bien moi? Déjà.
Un petit peu de lag son vidéo, mais pas ouf. Ouais, je t'entends en fond. Ok. Oui, mais j'ai un décalage son. C'est ballot quand même. Je ne sais comment corriger ça, malheureusement. Une bonne seconde de décalage. Je pense que ça vient de la caméra, malheureusement c'est la caméra du PC qui doit pas être assez performante, j'imagine. Je regarde juste s'il y a moyen de faire quelque chose, mais configurer en baissant au maximum la netteté, le contraste, des choses comme ça. Sur quelle machine? C'est un PC portable Acer Gamer Predator Helios 300. Non, PL est pas malade, Cléonilor. C'est que, en fait, ça y est, on va enfin commencer à faire des streams en solo, ce qui va nous permettre de streamer 3 fois par semaine, voire plus. Tandis qu'avant, je devais aller chez PL 2 fois par semaine. C'était un petit peu compliqué. On voulait pouvoir commencer à prendre un rythme chacun de notre côté. Alors, bien sûr, les vidéos resteront toujours en duo, mais pour les streams, ça m'évite d'aller plusieurs fois chez PL le soir, quoi. Donc maintenant, PL a son stream en solo, j'ai mon stream en solo, et on a toujours un stream en duo qui sera le jeudi soir. Je pense qu'avec un peu de magie, ça le fera aussi, Manulator, t'as raison. Salut à tous, salut Val, salut Galion. Déjà des problèmes techniques, et ouais, Narcotech, écoute, c'est le premier stream, donc forcément, il va y avoir quelques petits problèmes techniques le temps que je gère ça. Salut ta goulette. Hop là. Bonsoir. Les cams de portable sont mauvaises en général. Et ouais, ça doit être ça, Wiki. Bonsoir PL, mais j'ai pas vu PL. PL est dans le chat? Ah oui, voilà, bonsoir les fous. Il avait un pseudo de mauvaise couleur. Dis-moi PL, toi qui es dans le chat là, si tu m'entends et tout, dis-moi au niveau du son, de la voix, de la musique, qu'est-ce que t'en penses toi par rapport à tes réglages? Parce que j'avoue que j'ai un peu de mal. Et plus de décalage, bah c'est parce que j'ai baissé la netteté de la caméra. Salut Lucio Ghost. Écarte un peu le micro de ta bouche. Ok, on va tenter comme ça. On va tenter comme ça alors. Veux-tu que je vienne Discord? Non, enfin, si tu veux venir Discord pour te faire plaisir, tu peux venir Discord. Après, si c'est pour setup la technique, normalement c'est ok. PL, non, non, il stream toujours sur la même chaîne. PL, il stream le lundi en fait. Toujours de décalage, bon, c'est pas grave. Salut Kawa TV. Salut Kyo. Et moins de pop pour le mic, t'es quasi bon mon ami. De pop, je sais pas ce que c'est le pop. Écoute, j'y suis si tu veux. Écoute, j'avais fermé Discord. Je vais arriver, gamin. Ah, le micro est bon, c'est bon alors. Exactement, ça fera plus de streams dans la semaine. Bah déjà, le temps qu'on essaie de passer partenaire avec Twitch, ce qui nous permettrait donc du coup de pouvoir stream plus facilement, plus régulièrement. Et puis après, ouais, ça pourrait, on pourrait faire encore plus que 3 streams du coup. Alors, où il est l'ami PL? J'arrive, hein, ça va bientôt commencer. À quand la Magic Money pour payer une cam à Val? Oh, mais Val à terme se payera une cam tout seul comme un grand. Et yo PL, est-ce que tu m'entends? Et moi je ne t'entends pas par contre. Je ne t'entends pas. Salut Zedjar. Ah, grave, je vais essayer de lire au maximum quand même ce soir, vu que je suis en solo et qu'il n'y a pas PL pour me rattraper si je lis pas. Ah, t'es un peu blanc-vert. Ouais, bah, c'est la cam intégrée, les gars, je peux rien faire. Sinon, je mets juste pas de cam au pire, hein, mais bon. C'est Chrissage qui va être content. Bah, c'est grâce à Chrissage tout ça. Salut Valefar.
Le deck avec les milliards de dégâts, j'ai adoré continuer cette les baisse. Promis, si je tombe contre vous, je concède pas. Ça va, c'est cool, merci. Écoute, PL, je crois que je t'entends pas parce qu'en fait, je suis sur l'audio du bureau et j'ai pas le son dans le casque pour le coup, en fait. Et je sais pas setup ça comme ça. Donc malheureusement, là, pour le coup, je peux pas t'entendre. Ouais, tout le monde a un décalage, Zicro, Zirko. Et ouais, parce qu'au début, en fait, j'avais le son dans le casque, et du coup, bah, l'audio du bureau ne prenait en compte aucun son, parce que j'avais le son dans le casque, PL. Donc du coup, j'ai dû mettre l'audio du bureau, et du coup, j'ai pas le son dans le casque. Ouais, on check ça la prochaine fois. Merci, c'est cool en tout cas, poto. Du coup, je me déco de Discord, et puis je vais commencer tranquillement le stream. Si au niveau du son, du micro, ça reste quand même cool, ben on va partir alors. Du moment que vous avez pas la respiration dans le micro, le souffle ou quoi, c'est validé. C'est validé? On valide? À part le décalage, c'est très propre. Ah, mais je sais, c'est grâce à toi, ça fout. Grâce à PL. Alors ce soir, j'ai préparé un petit deck sympa, et puis je pensais jouer quelques petits decks coolos, et puis je me suis rendu compte que j'avais 5000 gold, 5000 goldas, et du coup ça me chauffe bien de partir en quick draft Dominaria pour se chauffer un peu. Et si le draft il est pété, on passera à autre chose très rapidement. Si le draft il est cool, bah tant mieux. Voilà. Parce que Dominaria c'est une extension que j'ai bien aimé drafter. Il y a moyen de faire pas mal de trucs sympas. Ah, c'est cool, merci les gars. Yes, le stream est start. Les meilleures extensions à acheter en deck sur Arena? Dominaria, je pense, c'est la meilleure parce que t'as les land rares et t'as beaucoup de cartes qui sont jouables et qui vont passer la rotation Cléonilor. Allo Aval, il faut qu'on s'habitue aux nouveaux horaires de stream, ça y est, c'est la rentrée. Exactement, Goulaxon. Mais c'est juste pour en faire encore plus en fait, dans tous les cas. Ouais, go draft, pas de P. Il y a peut-être moyen qu'on arrive à setup des streams en duo, ou du moins une personne sur Discord, qu'on arrive à setup des streams en duo à distance, mais ça rentrera pas dans les streams prioritaires qui sont le stream de PL le lundi, le stream de Val le mardi et le stream à deux le jeudi. Après, on peut faire du contenu supplémentaire quand on sera passé partenaire avec Twitch. Salut Piaim. Salut Tony Damplon. Mais stop voler mes thèmes. Pourquoi tes thèmes? C'est quoi tes thèmes, Kyo? Eh ben écoute, bonsoir Jace, voilà, on reprend du début. Maintenant qu'on est prêt, c'est parti. Tu t'es fait Chen Weirley en draft, ça c'est dur. Et on n'a pas de direction, faut recommencer, allez, ça marche. Ma guilde préférée? Ah, c'est compliqué. Faut que je parle plus fort. Je vais essayer de parler plus fort. Ma guilde préférée? Franchement, je sais pas. Honnêtement, j'ai un gros doute. Ça doit être un truc comme Izzet ou Gruul. En fait, ma guilde en tricolorité, c'est Temur, ma guilde préférée. Donc, tu prends Izzet, Gruul ou Simix et ça tourne dans une de ces trois. À chaque fois que je prépare un stream, le soir même, vous le faites. Et pourtant, on communique même pas sur ça, Kyo, c'est dingue. Qu'on travaille ensemble, Kyo, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu penses des spoilers Ravnica? Bon, pour l'instant, je suis pas ultra. Enfin, je suis hypé pour ce que Ravnica va apporter. Je suis hypé pour les Ravland. Je suis hypé pour le côté. On va revoir des gros decks midrange. Ça va être cool. Et pour les cartes une à une qui ont été teasées, moi personnellement, j'ai rien trouvé d'incroyable. Juste le contre qui fait surveille 1. Je trouve que c'est cool que ce sera joué. Et les mécaniques sont sympas, mais j'ai pas vu de cartes encore broken, super intéressantes ou ne serait-ce qui m'ont donné envie de builder quoi. Non, pas Dimir, mais enfin c'est bien Dimir aussi, mais moi c'était mûr quoi. Quoi qu'il en soit, il y a du bleu. Eh ouais. Parce que RB c'est pas midrange. Ouais, mais c'est quand même des connotations aggro. Moi je te parle de vraiment de guerre d'attrition. De... Tu sais, moi le standard qui m'a fait vibrer c'était le standard de Khan, ses Zendikar en mode Abzan midrange avec des vrais gros decks bien midrange avec des grosses games bien longues. Je trouvais ça cool. Alors. Il y a pas mal d'archétypes qui sont ok en Dominaria. Blanc-bleu avec Fly, c'est pas mal. Alors, moi j'aime bien l'Académie Drake. J'aime bien la 3-1. J'aime bien Divination. Sa pro-l'immigration, c'est pas mal, mais je trouve ça plus fort en scellé qu'en draft pour le coup. Ça, c'est un pâté.
pas trop une extension de pâté Dominaria, c'est pour ça que j'aime bien. Tu peux tester un petit truc gobelin fun à ta sauce. Je regarderai si j'ai le gobelin pour en fin de stream, ouais. Je te promets rien. Mais gobelin en draft, par contre, si c'est ça que tu demandes, hors de question. Je vais prendre l'Académie Drake. C'est le premier pick de merde, mais c'est pas grave. Ah, Dub, j'adore. Dub, ça fait gagner. Et mais Knight of Grass, c'est un bon pick aussi. Hein. C'est un bon pick pour partir sur bleu-blanc quand même. Bah, Grunt, j'aime pas trop. Je sais que c'est fort comme pick, mais j'aime pas trop. Moi, j'aime bien jouer blanc-bleu fly dans Dominaria. En fait, j'adore jouer Dub dans Dominaria. Je pense que le vrai pick, c'est Knight, mais il y a des chances que je pick Dub. Je vais voir. Je check un peu. Ah non, pas en draft. Ouais, c'est bon, ok. Deepfreeze, c'est cool aussi, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, après. Je sais pas si c'est devant Knight en pick. Franchement, Knight, c'est sévère, quoi. UW historique, ouais, t'as tout compris. T'as tout compris. Ah, je vais faire le pick safe parce que c'est une unco. Et j'aurai peut-être la rotation des commons. Non, j'ai pas la done Deckmaster, PL, j'ai oublié de te le piquer l'autre fois. Je le set prêt pour les prochains streams. Je suis désolé les gars, du coup, si vous voyez pas. Je vais peut-être passer le jeu en FR par contre. Ça peut être intéressant pour vous. Yes. Par contre, la donne qu'on a habituellement sur le stream à 2, je ne l'ai pas encore ajoutée. Je vous le mettrai pour le prochain live. Désolé. Hein. Il y aurait moyen de jeu. Ouais, bah voilà, je viens de pré-shooter et j'ai mis le jeu en FR. Pas de P. Lumière bénie, c'est super bien. J'adore. Je crois que je vais pick ça. Kazarov, c'est rendu un peu du caca quand même. Même si en draft, ça doit être ok. Mais ça, j'adore aussi. C'est 3-2 sur un malentendu, c'est indestructible. Ça vaut sûrement pas l'anti-bet, mais. Mais c'est cool quand même. Yes, merci Monarchomac. Hop là. Oh, allez, on prend chute dans Empire Tran. Non, quand même pas. Oh, ils m'ont redonné dub. Ah, je crois que je vais prendre dub, les gars, c'est un signe. Hein. Dire que blanc est open en plus. La 3-1, c'est cool aussi. Tu fais 3-1 into dub. Franchement, le mec, s'il n'y a pas d'anti-bet, tu voles les games super rapidos. Chute de l'Empire Tran, c'est juste lol. Ça, c'est. Ouf. Je vais prendre dub. On casse des landes? Ouais, on veut casser des bouches nous ce soir. On veut pas. C'est fini de drafter mou à la M19 là, à drafter des trucs secs quoi. On va pas se faire yesh. Ça va être ça ou ça. J'aurais sûrement pas assez d'Arthos dans le paquet pour rentabiliser ça. Vol ésotérique, c'est pas naze, mais si je pique déjà des dubs, j'ai des dubs, des adoubements, j'ai pas envie de piquer masse enchantement pour rentabiliser les anti-bêtes adverses. Ça c'est sympa aussi, c'est peut-être plus sympa que ça en vrai. Pas trop de Chain Whirler en draft normalement. Ouais carrément. C'est Traxos les vrais savent. Il y a moyen que je pique cette 2-1 devant ça. Vas-y. Verra bien. Ok. Ouais. 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 C'est pas dingue. En vrai, je pense que Servant Voltaïque, c'est le moins dégueu, ça trigger historique. Il y a une nouvelle série de spoilers. Ouais, c'est les communs et une common qui sont sortis cet après-midi, Bojo, ou c'est encore des nouveaux qui viennent de sortir ce soir? Hop là. La 1-3, ouais, on est d'accord que sur la 1-3, ouais. Ouais, par exemple, que vous contrôlez. Ah, ça, en draft, t'as pas du tout envie de faire ça. Ah, on a envie de rien, là. On a envie de rien. Ça, j'aime bien, en vrai. Ah, bah, merci, le roteur. Écoute, tu peux les envoyer en MP si tu as des clés à donner et on peut en faire profiter la communauté. Ça, c'est une bonne chose. Une bonne chose. Un joli oiseau 1-1 vol lifelink. Ah, tu me demandes de pick ça? Ah non, t'as vu un joli 1. Ah oui, le 1-1 pour 1, ouais c'est ça. C'est ce que j'ai vu cet après-midi. Ça m'a pas fait lever le. Ouais, je vais rester YouTube friendly. Hop là. On joue pas en BO2, donc ça on piquera jamais. Ouais, on va prendre 2-1 menace au cas où. On fout du bird, en plus il revient. Le bird.
Allez, bonne soirée, PL. Et t'inquiète, je vais assurer fou, bien sûr. Ah, oh, ils me donnent des autres adoubements, ils veulent vraiment que je sauce des gens, ça va être trop bien. Hop là, on va 2B. Rare pique, hein, c'est pas grave. Hop là. Ah, super. Squill immortel. Qui c'est qui est heureux que j'ai Squill immortel en first pick? Ça fait pas plaisir du tout. Alors, épée courte, c'est correct. Déjà, on va bouger les cartes rouges. Je pense que ça, on va pas le jouer. Est-ce que en draft égale cancer? Ah ouais? Ouais, mais écoute, moi dans mes couleurs, pour l'instant, ça me parle pas trop. Val, c'est une machine à draft quand il est tout seul. Non, je sais pas, mais j'ai quand même un peu draft Dominaria pour le coup. T'en as qui d'un et d'autres qui sub? J'ai pas compris, The Coconut, ce que t'as voulu dire. Salut Nignum, et écoute, ce premier draft, bah, plutôt cool, ça se passe bien. Ce premier stream, pardon, ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, ça j'adore, voilà, la trappeuse d'avenant, ça aussi c'est fort, putain. Ah, tout est ok quoi, en vrai. Ça ou ça c'est ok. Même Mirari c'est pas naze, mais là dans le pack que je monte c'est pas bien. Ça c'est un pick correct aussi. Syncope c'est pas trop dans mon plan de jeu, mais trappeuse je crois que c'est supérieur à tout. Salut Rage. Lave-main, ouais j'ai déjà pris lave-main du coup. C'est déjà passé du coup. T'en as un qui dub et d'autres qui sub. Exactement, exactement. Paragon trop bien. Bon, je vais prendre la trappeuse, je sais de source sûre que c'est ok. Ouais, c'est un petit tricks de combat. 3 billes sur 1, 6. Ouais, c'est pas incroyable. Ça, franchement, j'ai jamais envie de le jouer, quasiment. La meule. Non, non, je prendrai pas. Je prendrais pas. Poids de la mémoire, ouais, c'est correct aussi, mais je suis pas ultra. Ouais, quoique, c'est peut-être la meilleure carte en fait. Ouais. Non, tu peux les envoyer sur le chat carrément, au plus rapide si tu veux le roteur. Moi, j'en ai encore à faire gagner, y a pas de souci. Ah, voilà, le coursier Pégase, ça, c'est très, très, très fort. Je suis très content de voir ça d'ailleurs qui m'arrive gentiment dans les mains. C'est-à-dire que blanc est quand même open, même si on draft avec des bots. Non mais après si le roteur il veut les poster sur le chat, il peut le faire Kyo, hein. C'est à son bon vouloir. J'oblige pas, je vais prendre le Pégase, c'est quand même trop fort. Par contre je vois... Non ça va en fait, j'ai une courbe. J'ai une courbe, j'ai pas une courbe excellente mais j'ai une courbe. Donc c'est bien. Tu penses quoi de la chandelle? Je vois pas de... Je sais pas ce que c'est la chandelle. Enfin là ça me parle pas. Si tu me montes la carte je vais voir mais... je pense que je vais prendre ça. Vraiment pas incroyable mais... ça c'est un peu naze. C'est pas un vrai anti-bête. Et ça, des bobinages, ça me parle pas. Prendre ça. Valom à tout faire. Allez, j'aimerais bien. Ok, alors avec ça en trigger historique, sur combien de choses? Bon, artificier je vais pas le jouer je pense. Enfin, on verra. Ça, je vais pas le jouer. Tac. 1, 2, 3. Ok. Donc, épée courte, c'est correct. Ah, d'accord. Ouais, je trouve ça correct, la chandelle. Ouais, carrément. Pour trigger historique, encore une fois. Donc, du coup, si jamais tu veux trigger historique, c'est un anti-bête. Descend, je dirais. Ouais, ça m'est arrivé de le pique. Ça m'est aussi arrivé de pique la boussole du navigateur plusieurs fois parce que j'aimais bien jouer tricolore sous Dominaria et ça passait assez aisément. Et en fait, t'as l'avantage de pouvoir splasher juste avec ta boussole et ça fait gagner un peu de PEV et en plus tu trigger historique donc
C'est moins mort que dans d'autres types de draft, ce genre d'artefact. Après là, c'est pas du tout agressif ça, donc je crois que je vais prendre l'épée courte juste pour trigger. Ouais, je vais reprendre le servant, c'est pas méga gros non plus, mais j'ai quoi comme spell un peu bourru? Pas grand chose, c'est les dubs qui vont me faire les dégâts. Ouais, elle est cool la boussole carrément, j'aime beaucoup. Ça c'est insane. En vrai, enfin, les gens se rendent pas trop compte parce que ça fait détruiser le terrain ciblé. Mais moi je l'ai pas mal joué sous Dominaria. Le fait que tu dis bah mes deux bêtes là elles sont pas bloquées et en plus je te pète un land, c'était vraiment cool. J'aimais bien. Même ça c'est cool aussi. Franchement j'aurais pas option, c'est sûr. Quasiment sûr. Salut Vlad! Vous êtes déjà 82, j'avais pas vu, putain c'est dingue. Merci beaucoup, putain, pour mon premier stream en solo, je suis content. Faites plaisir. Vous me faites plaisir. On va passer une très bonne soirée, monsieur Pignon. Je me tâte. Je me dis que je jouerai sûrement pas rouge. Ouais, vas-y, je jouerai pas hop, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, on s'en fout de toute façon. Sert à rien de façon de contre-draft, on joue pas contre des vraies personnes. Allez le homard, ça fera rigoler les gens. Hop là. Est-ce que je veux partir sur un Jeskai Val? Eh ben écoute, selon ce qu'on va me proposer au troisième booster, je peux partir sur un Jeskai. Et ouais la forme Vlad, merci. Salut ce bip bip. Je suis tombé contre un mec qui m'a cassé tous mes lands, j'étais vénère, bah tu m'étonnes. Pas de land, pas de mana, pas de chocolat. Moi je me souviens des premiers standards que j'avais joué de manière pas, enfin, compétitive entre guillemets où je commençais à comprendre les règles des formats, des standards et tout, je devais avoir 14 ans et je jouais Manivore Castland. C'était à l'époque de la 8 ou 9ème édition et du Ravnica premier du nom, pour ceux qui se souviennent. Et on jouait Manivore avec un side de Transformel. Avec Netsuke, Hibou d'Ébène, et c'était les premiers tournois standards que je faisais. J'avais fait les JSS où j'avais perdu en finale avec ça. Et en fait, on faisait tour 1 passe-passe, tour 2 je te bounce ton land, tour 3 je te casse ton land, tour 4 je te casse ton land, tour 5 je te casse les couilles. Enfin, c'était horrible. C'était super rigolo de jouer ça et c'était super dégueulasse de se prendre ça en face. Ah, merci Bojo, non, mais vous inquiétez pas, j'essaierai de setup une caméra de moi-même. Alors, j'aime le Sphinx, j'aime le Mage, j'aime Torgar mais pas pour ce deck. Salut Ezekiel Mox. J'aime Lavemain, j'aime Lavemain. Non, au contraire, on stream sur la même chaîne, Skynox, donc il n'y a pas de guerre. Plus il y a de viewers, plus on est content. C'est la même chaîne, il n'y a pas de Val en solo ou de PL en solo, on stream pour la même chaîne. J'aime bien le côté un peu anti-bet, là j'aime bien le côté que ça vole, et là j'aime bien la petite value de la carte. Vous me conseillez quoi, vous? J'ai une vraie hésitation entre les trois. Il n'y a pas de plugin pour voter la carte qui nous semble mieux. Non, je l'ai pas, en fait je l'ai pas récupéré la donne, faudra que je le récupère la prochaine fois que je vais chez PL, désolé pour le rototo. Ah ouais, ça c'est la mauvaise prédiction du coup. Pas Avma en tout cas. Ouais, ok, bon, pas Avemain. Il faut que tu me dises pourquoi. Eh, c'est Tandax, hein. C'est Tandax. C'est beau ce que tu nous dis, Val. Eh, mais je sais. Il est le seul à s'être trompé. Hop là. Allez, c'est le Sphinx. Ouais, carrément, le Sphinx est mieux que Lavemain, mais là je suis entre Sphinx et Mage. Allez, Sphinx, let's go. Oh, Muldrota. Mais non, on va pas jouer ça. Reproche de Gideon, c'est Koulos. Faut que j'arrête de dire Koulos. Frappez-moi à chaque fois que je dis Koulos. Lavemain. Con d'Arcotech. Coursier Pégase, c'est vraiment OP. Mais en même temps, j'ai quand même pas mal de volants du coup maintenant. Reproche de Gideon, c'est vraiment OK.
Webcam Logitech C920. Allez, ça va, je regarderai. Mais franchement, pour le coup, si vraiment ça vous manque d'avoir une belle webcam, je regarderai ce que je peux faire. Salut Lapin. Non, vous resterez le duo de la belle magie inséparable, donc pas de concours et bientôt tenir nos promesses. Vraiment sub les gars, juste pour ces deux hommes. Et les sur pauvres petites webcams de laptop. Oula, t'as des correcteurs auto Clio Nilor, j'ai du mal à tout comprendre, mais j'ai compris l'essentiel, tu remercies beaucoup. Alors, regardons la curve, les nombres d'antibêtes que j'ai. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage fort. Fort, fort, fort. En vrai, j'ai pas d'antibêtes. Enfin, je vais prendre le reproche, sachant que le coursier pourra plus facilement revenir, entre guillemets. Parce que tu peux splasher un antibête, mais tu splashes pas une bête. Généralement, une bête comme ça, un drop 3. Alors que si t'as vraiment aucun anti-bête, tu peux splasher pour un reproche de Gideon, même si c'est pas très bon. Divination, si c'est ok. Je vais prendre quand même reproche. Eh ouais, je sais Skynox, je sais. On verra la prochaine fois. Le reproche, la facile. Mais si, regardez bien, on voit les points noirs sur le nez. Ah, c'est pas cool, beau jour. En plus, ma chérie, elle me le dit tout le temps. Oh, je rêve où il y a Muldrota qui est revenu. Oh le gars, oh, c'est fou. T'imagines le mec qui était parti sur Sultai? Vous avez déjà vu ça en mode double Muldrota comme ça? C'est dingue. Ah, c'est complètement improbable. Mais en vrai de vrai de vrai, le mec qui est parti sur Sultai, il y avait une Tatiova, il y avait pas mal de trucs OP. Hein. Putain, je suis fané maintenant. Je suis fané de pas avoir fait le draft incroyable, tu vois, d'être passé. J'ai l'impression d'être. Il y avait des chemins. J'en ai emprunté un. Il est cool, hein. Franchement, regardez mon chemin, il est cool, tu vois. Mais alors à côté, il y a le chemin où tu gagnes au loto, tu vois. Et je suis un peu. Un petit goût amer vite fait là qui me traverse la bouche, quoi. Bah ouais, trappeuse pour le coup, ouais, c'est tellement supérieur. Salut Prise. Salut Skynox, c'est pas grave, tu regarderas la rediff. On va. Bah on met toujours les rediffs sur YouTube, moi, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas de on va, c'est. Oh, le adoubement. Le adoubement qui va partir Fissa, je pense. Ça fait peut-être beaucoup, en fait. Non, je suis peut-être trop gourmand, je crois. Eh ouais, Prise, maintenant, ça y est, il y a un stream de plus, vu qu'on s'est réparti les tâches avec PL. Ah, en même temps, riposte de sorcier, je m'en fous un peu. J'ai pas trop envie de contrer. J'ai envie d'être le joueur proactif, entre guillemets. Et puis ça, ouais, pas dingue quoi. Enfin, c'est bien, mais. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va faire les coquins. On est des cochons. Tac, tac. Ah, ouais, mais aussi. Ah, du coup, j'aurais dû prendre la 2-1. Hein. Ça va être clin d'œil, du coup. Clin d'œil, c'est quand même ok. Hein. Ça fait un petit peu de carte advantage de CA, donc un petit peu de d'avantage en nombre de cartes pour ceux qui. Connaissent pas forcément les termes de magicien sombre. Plus de créa, on me dit. C'est vrai que c'est plus simple de mettre du con, moi. Je devrais mettre le layout comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, non, ça va le faire en créa. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Mais du coup, ça me fait chier. J'ai pas envie de jouer 4 dubs. Mais je vais être obligé de pick ça en fait. Vol, évasion, vol. Ouais, c'est pas ouf non plus. Hein. Mais bon. De toute façon, c'est vrai que j'ai pas d'autres pick pour le coup. J'ai abandonné Jeskai depuis belle lurette. Ah, il me reste que des picks pourris quoi. Putain. Je vais prendre ça, c'est pas dingue, mais je vais prendre ça, je crois. Ok, 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 il me reste... J'ai pas beaucoup de bons picks sur cette fin de draft. Pique la rare pour la collègue. Ouais, je vais sûrement piquer charge pour le coup, là. Stupéfié, ça me va pas trop dans le plan de jeu, c'est pas... Ah ouais, j'ai plus rien qui vient, quoi. Comme s'il y avait un bot qui s'est dit, tiens, finalement, je vais jouer blanc-bleu.
au hasard. Ok. Ok. C'est vrai que du coup je vais manquer de bêtes. Juste parce que j'ai pas piqué 7-2-1, c'est une erreur. C'est une erreur clairement. Fallait que je pique 7-2-1, c'était supérieur quand même, je pense. Vol progresse. Ah bah écoute, c'est cool ça. Le homard, la curve. Non, non, je joue pas le homard moi. Hop là, j'aurais bien voulu pouvoir pique aussi la 3-1 qui est passée plusieurs fois, la 3-1 pour 2, mais j'ai pas pu pour le coup. Hop là, charge, on veut sûrement pas. Ça non plus. Je vais regarder ça en attendant. Ok. Débobinage, je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux bien. Ouais. Hop là, on va remettre une bête qu'on avait sortie. Et puis il nous manque une carte maintenant, juste une. Donc je pense que tricks de combat c'est correct. Enfin tricks de. C'est pas un tricks de combat en fait, mais ça va me donner un bloc. Ça va me donner un bloc favorable. Le wall trigger, ouais mais bon. Ouais ça se joue au mars si je manque de créa, mais je m'en veux de pas avoir piqué la 2-1 pour le coup. Ouais, ok, allez, Omar, parti. Omar et Fred. Et let's go, c'est parti. Ouais, mais je pense que là, ça devrait le faire quand même. Blanc bleu meule, bien joué. Eh ouais, juste grâce au homard. C'est une bonne main ça, c'est cool. Ah, c'est super bien comme main. Que demande le peuple? T'as tes deux couleurs. Hop là, mille excuses. C'est parti. Good luck à toi aussi, Laurent. Alors. Ok. T'as ça, j'ai vu ça jouer en moderne dans une espèce de deck qui joue Ravageur et qui joue Arden Scale. C'est deck what the fuck, quoi. Mais qui a fait des tops en moderne, c'est assez rigolo. Exactement, Bojo. Dépoutreler, eh, je vais tenter, hein. Je vais tout faire pour en tout cas. Pas être rigolo, est-ce que j'ai envie d'être sale tout de suite? Sachant qu'il peut quand même me jouer Sealed en réponse et je préfère d'abord développer du board. Ouais, c'est un peu le nouveau Affinity, mais c'est pas ça trigger pas la mécanique Affinity, ça joue surtout la mécanique marqueur en fait. Bah ouais, il paraît Dragballo, on nous a dit ça aussi, que du coup ils offraient plus de wildcard de base maintenant, bah je trouve ça un petit peu abusé. Mais je pense que pour la sortie de Ravnica, ils feront sûrement un geste commercial, un truc comme ça. Salut Bidou, et ouais j'ai écouté Chris H, Chris H a eu raison de nous. Pff, no balls. Eh j'avoue, no balls, ouais, je peux toujours le setup après le dub. Ah merde, j'ai laissé ça dans le deck, mais quel zé. En vrai je m'en cague de jouer ça. C'est bien le Drake, j'aime bien le Drake. Je vais le garder. Il faut des bêtes en fait. Il faut des bêtes. Kick. Ouais, je vais quand même mettre sur le volant, ce sera plus fort. Je mettrai le deuxième sur la trappeuse. Juste attaquer avec ça. Le mieux c'est de choper des Quendé quand vous piquez plein de dubs, c'est vachement fort. J'avais fait un 7-1 ou un truc comme ça, 7-1 ou 7-2 avec plusieurs dubs et des Quendé, c'était ultra vénère. Ouais, on va mettre son marqueur là-dessus. C'est ça son play. Si c'est ça son play, ça me va, c'est pas grave.
Je vais accepter ça, je mettrai un reproche le temps voulu. Non, non, aux dernières nouvelles, on garde pas nos cartes, hein. Il y a bien un wipe de compte qui va arriver au moment de... Comment ça s'appelle? Ça aussi, j'aurais bien voulu en pique. Au moment de la sortie de la bêta ouverte, mais ils communiquent pas sur la sortie de la bêta ouverte. Donc, bah, pour l'instant, on sait pas quand est-ce qu'il y aura le wipe, quoi. Ouais, j'avoue. J'avoue, Jace. Nope, on garde rien, ouais, comme te dit Proxima. Pour le coup, on garde rien. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je veux faire, moi? Si je mets double là-dessus, me double bloque, mais il peut pas parce que je suis initiative. Et je le sauce plus fort qu'il ne me sauce. Comme ça, on peut lui faire croire qu'on a une petite charge ou un truc tricky ou quoi. Ouais, je pense que. Je pense qu'on va faire ça, on va jouer all-in un peu. Pas grave. Ah bah bien joué. Bah c'est PL qui a dû te conseiller de faire ça. Hop là. All-in sur le flyer. Non, pas all-in sur le flyer. Je suis pas aussi aussi vil. Si le mec a pas pique anti-bet, là il se dit merde, je gagnerai jamais cette course quoi. Ok, ah, c'est bien, il va prendre reproche de Gideon sur le bloquant, je pense. Ce qui va se passer. Hein. Yes, ça c'est bien aussi. Permettra de setup ça tout à l'heure. Ah, chaque créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Bah ouais, on est d'accord, ce qui se passe. Hein. Derrière, il me met. Toujours pas derrière, il gagne toujours pas la coursette. Le bluff qui passe, peut-être. Bon, il a fait un beau scry, donc il va quand même toucher des belles cartes, je pense. Je vais. Je sais pas si je vais descendre ça. Est-ce que j'ai besoin? Là, je le tue en deux tours. Si je rajoute 7. 8, je rajoute 2. Je tue toujours en 2 tours, donc c'est pas intéressant. Je pense de descendre le Drake. Je suis pas certain que ce soit le bon play. 100 viewers. Et eh ben voilà, j'ai fait mes 100 viewers en solo. Super, c'est cool. Merci les copains. Salut à Stallure. À Stallure. On fait les courses ou la course? C'est dégueu ça. Tu vois, quand tu draftes un truc comme ça, je trouve que ton draft il est pas beau. Et a un côté un peu moche. Et en plus ça me fait bien les fesses quoi. Enfin, ça me fait bien les fesses. En vrai non, ça lui fait un mauvais bloc là-dessus, mais non, ça lui fait même pas un bloc là-dessus parce que j'ai initiative. Donc en fait non, ça lui fait rien du tout. Ça lui fait rien du tout, donc ça me va très bien. Yes, putain, c'est tellement horrible ce qu'il a descendu quoi. De se prendre cette tortue sur ça, c'est tellement insane. Et on va all-in parce que je crois pas qu'il y ait de Vraz dans Dominaria. Je dis pas de conneries. Ah non, c'est 7, mais je suis un malade moi. Je suis un grand dingue, je vais juste mettre du board alors. Je croyais que c'était 7 pour. Enfin, je croyais que ça coûtait 6 en fait le Drake kické. Salut Quentin! Ouais, le reset sera à la bêta ouverte, mais on n'a pas la date de la bêta ouverte. Tu as tout compris. Eh ouais, 200 en duo, Drake Ballo. Bah jeudi, venez jeudi, on fait les 200. Hop là, ça c'est 3, 4. Ouais, d'accord. On va saucer avec tout, je crois. Bah ouais, j'ai initiative. Dub, c'est trop fort. Franchement, Dub, c'est trop insane. Ouais, il y a la Vraz anti-légendaire, c'est ça, mais le problème c'est qu'il faut setup toi-même un légendaire, donc ça me fait pas trop peur, je tourne pas autour de Salve Urza Salve Urza.
Personnellement, en tout cas, moi, si je l'avais pique, je la jouerais pas. Donc, je me dis que les gens la jouent pas, tu vois. C'est comme Fumigate dans Chat, je tourne pas autour, quoi. Pour le coup. Yes, Black Joe, t'as été surpris. Bah, écoute, t'as bien fait de venir. Ça fait plaisir. C'est quoi le max à 2 en termes de viewers? Je crois qu'on a fait 160 avec PL, il me semble. Il me semble. Bon, est-ce qu'on fait 7-0 là sur ce draft? Non, c'est pas possible. Quand même pas. Il est quand même pas aussi fort que ça. Il y a bien un moment où je vais mal jouer dans tous les cas. Ou alors que je vais me prendre une sortie complètement dingo didong. Allez hop, on va la garder, même si c'est full tour 2. On aimerait bien être un peu plus curvé. Over 8000. Non, c'est over 9000, mais la traduction française, Vegeta dit bien au-delà des 8000. Ils sont pas mis d'accord. Ah bah c'est other 9000. Désolé pour mon anglais, dramatique. De toute façon, quand t'as l'accent du sud, tu peux pas parler anglais, c'est impossible. En anglais, c'est 9000 Nao. Mais en français, c'est. Il est bien au-delà des 8000. C'est pour ça que du coup, là, on peut se tromper. Hey, il est fou ce Black Joe, mais non. Ah, je suis content. Putain, c'est trop fort. C'est trop fort. Voilà. Alors, du coup, son play, il devient. Ah, quoi que non, il a menace. Donc, je vais fermer ma bouche. Sur quoi j'ai envie de. Lui, il a déjà initiative, donc c'est moins fort. En même temps, je préfère le mettre peut-être là-dessus pour avoir 4 de force contre 3. Ouais, je vais d'abord le mettre sur la coureuse, je pense. Un vieux 3-3. Bah, si c'est ton premier draft, c'est pas mal, pour le coup. Ouais, mais après, alors en fait, ce que vous voyez pas, vous, sur le setup, c'est que je suis même pas à un bureau. En fait, ça, c'est mon lit. Genre, si je baisse un peu la cam, vous allez voir. Ah, il y a du décalage avec le stream. Mais genre, en gros, là, c'est sur mon lit. Et je suis assis sur mon lit. J'ai même pas de siège, en fait. J'ai même pas de fauteuil. Donc, du coup, je peux rien setup. Je peux pas setup de décor ou quoi pour l'instant. Tant que je suis dans ces conditions-là, je peux pas faire autrement, quoi. Ah, putain, il est désagréable, lui, en fait. Ah, je suis déçu, pour le coup. Parce que là, il va me tuer vachement plus vite que ce que moi, je vais le tuer, pour le coup. À l'arrache, bah, c'est pas à l'arrache, je fais comme je peux, quoi, entre guillemets, quoi. La Clodo compagnie, ouais, c'est carrément ça, mais bon. Est-ce que c'est le plus important, franchement? Est-ce que c'est ça qui compte, pour le coup? On s'en fout. Enfin, moi, je pense qu'on s'en fout. Si je fais dub, je vais me mettre à saucer, et à la course, je vais la perdre. Donc, c'est pas forcément une super idée. Mais en même temps, si je fais disciple de Serra, derrière, je peux faire dub plus épée courte, je peux même pas équiper. Il a la menace dans tous les cas. Pff, ouais, vas-y, c'est pas grave. On va aller all-in et puis on va voir. Val dans un 4 mètres carrés. Pas du tout, c'est juste que c'est ma chambre. Ouais, Kickstart, je vais ouvrir un Tipeee pour avoir un bureau. Je vais faire un projet Ulule. Pense à ton dos, ouais. Eh non, Kyo, je ne mens jamais. Ou alors je me débrouille pour qu'on le sache pas. Madame ne peut même pas. Eh non, mais madame n'est pas ici. Parce qu'en fait, moi, je suis retourné chez mes parents depuis 2 ans. Donc, du coup, là, c'est pour ça que je dispose pas d'espace. En soi, l'endroit est spacieux. C'est juste que là, ce n'est que ma chambre et je ne dispose que de ma chambre. Et je vais pas imposer à madame mes streams qui, elle, a son appartement de son côté. Donc, dans tous les cas, madame ne se couchera pas derrière moi. Quel âge j'ai? J'ai 27 ans. Je suis retourné chez mes parents à 25 ans alors que j'y étais plus depuis que j'avais 15 ans. Parce que j'ai fait 3 ans d'internat pendant mon lycée et après à 18 ans, quand je suis sorti du lycée, je suis parti directement à la fac et j'ai pris directement un appart. Et pour avoir une certaine stabilité, reprendre mes études et tout, j'ai demandé si mes parents voulaient bien me reprendre
sympathiquement, et puis ils ont accepté, parce que c'est toujours bien entendu, quoi. Du coup, en fait, je suis resté là depuis 2 ans, parce que c'est un certain confort. Du coup, je ne suis plus dans cette game. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train de me saucer, et en plus, il me dit à toi de jouer. Bah ouais, j'avoue, à moi de jouer. Ouais. Tu me fais bien rire, à toi de jouer. En train de me saucer, il me dit ouais, bouge-toi. Ah, dur. Dur, dur, dur. Ouais, bah carrément, Kyo, j'avoue que c'est une situation qui est plutôt confortable pour ma part. Ah! Bah, il avait tout. Hein. Il avait tout. Il avait tout et j'avais rien. J'avais rien, il avait tout, nous avions tout, vous aviez rien. Vous avez tout ou rien. 5. Je peux mettre ça en bloc. Je peux dub. Je peux saucer et mourir le tour d'après, je pense. Hop là. Non, Tanguy n'a plus honte. Exactement. Et je ne le tuerai pas. Je ne le tuerai pas. Je vais jouer au cas où j'ai des quêtes. Je crois pas, il me semble pas, mais. Il m'aura juste tué avec vol menace, quoi. Bon, il a raison, en vrai. J'ai pas touché mon anti-bête. Je vérifie bien que je concède pas pour rien. Je peux pas. Je peux rien faire. Allez. À dégager. C'était de la belle magie. Bah, en vrai, moi, quand j'ai fait mes 3 ans d'internat et tout, quand je suis parti pendant 15 ans, c'était pas forcément dingo. Après, à 18 ans, je me suis dit, bon, je me vois pas retourner chez mes parents. Et en vrai, c'est pas la, c'est quand même contraignant de vivre ses parents aussi, Kyo, tu vois. Genre, les deux ont des avantages et ont des inconvénients, en fait, pour le coup. C'est quoi un dub? C'est adoubement, c'est la carte enchantée créature qui donne plus de initiative. Tu peux bloquer, pourquoi tu concèdes? Ah oui, c'est vrai que ça a le. Et oui, ça a le. Putain, je suis con, menace, je peux le double bloc, mais bon, c'est pas grave. Je pouvais pas revenir dans tous les cas. Pégase plus double, hein, tu pouvais bloc. Non, ouais, je pouvais bloc, mais franchement, je pouvais jamais revenir, je pense. Voltaïque, double, Omar, c'est curvé. Allez, regardez, c'est pas dingue. Hop là. Effectivement, je pouvais bloquer, mais je pense pas que je pouvais la gagner. Salut Asté! Par contre, je suis désolé s'il y a des gens qui follow, si je remercie pas, parce que je les entends pas. J'entends pas les follow, j'entends rien du tout. Vu que vous m'avez demandé de baisser le son, j'entends plus rien. Je sais pas si vous entendez toujours la musique et tout, vous. Dites-moi si vous entendez un petit peu. Je vais quand même le descendre, même si ça m'enlève un trigger historique. Ah ok, bon bah je fais une connerie alors. Ah, supérieure la trappeuse. Merci à toi, Matal. Ouais, je pense que de toute façon, vous n'êtes pas un misplay près, hein. Tu as que l'audio. Ah, t'as pas, y a pas le, y a, vous avez plus de musique en fait. Dites-moi si vous entendez encore la musique. Je sais que tout à l'heure c'était peut-être trop fort, mais du coup s'il y a plus de musique, c'est con quand même quoi. Ok, il m'a fait Blink of an Eye, fin de tour, Dracon, ouais. Si si, il y a la musique, il y a tout. Ok, bah, je sais pas parce que moi je n'entends pas la musique donc. Du coup, c'est bizarre. Ouais. Est-ce que je mets un 3-3 juste pour rester dans la curve et après je peux descendre un tour 3 et un tour 2, ça m'a l'air supérieur.
Ok, on va faire ça. Non, je veux pas attaquer. Ah, ok, Dragvalo. Dommage. Et en plus, tu meules, bah ouais, exactement. Oh putain, il joue ça, lui. C'est trop fort. J'adore cette carte. Est-ce que tu penses que le fait de défausser avec Jumpstart permettra de faire des combos? Je suis pas méga sûr. Et je trouve pas ça méga fort, Jumpstart. Je préfère Surveil ou Overgrowth. Enfin, Overgrowth, on sait pas trop ce que ça donnera. Jumpstart. Si le sort est déjà bon de base, ça sera bien qu'il ait Jumpstart. Mais je suis pas certain qu'il y a des spells qui vont devenir OK parce qu'ils ont Jumpstart, à la différence de Flashback. C'est mon avis. Voilà, parce qu'en fait, tu défausses une carte pour en jouer une autre. Faut vraiment que le spell soit déjà OK de base, je pense. Alors ça, il va me cibler ça, il va me les renvoyer. C'est super relou. Là, je vais investir du mana pour rien quasiment. Faut absolument pas que je dub du coup. Ouais. En vrai, j'ai bien envie qu'il me renvoie ça. Du coup, je crois que j'investis rien en fait. On envoie une deuxième, une troisième, je peux pas attaquer. Ouais. C'est ça, hein, les gars. Je me prends rarement ça. En fait, il engage une créature à chaque tour et après il renvoie les créatures engagées. Donc du coup, si j'en pose deux là, il va m'engager. Ah non, j'aurais toujours deux bêtes sur le board. Du coup, c'est peut-être rentable. Ouais, allez, vas-y, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Au pire, il renvoie ces deux-là. Et c'est pas très grave. Ça reste pas mal le homard. Moi, je suis pas méga fan, hein. Je l'ai vraiment joué pour avoir une créature supplémentaire, quoi. Ok. Donc là maintenant, renvoyer toutes les créatures engagées dans les mains de leur propriétaire. Ok. Ah ok, c'est toutes les créatures, c'est pas celles que lui l'a choisies. D'accord. On va juste descendre ça alors et puis on va pas l'engager. Je vais attaquer avec les deux servants parce qu'ils se dégagent l'un l'autre. On lui mettra un point au cas où. Va me renvoyer ça et ça en main, du coup. Je sais pas si j'ai pas envie d'en récupérer un pour pouvoir faire trappeuse, trigger sur trappeuse, vu que j'ai rien en main. Ça a le mérite de se discuter, hein. Ah, je suis obligé d'en dégager un? Bah, je vais en dégager qu'un seul alors. Ouais, ça revient en main si j'attaque, sauf qu'en fait qu'ils se dégagent, donc je peux ne pas les faire revenir en main. Mais je pense que ça m'intéresse d'en avoir un en main pour pouvoir trigger historique sur la trappeuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah putain, il s'est bouncé ça, mais quelle horreur! Le mec joue mono bleu et il a du talent en plus. Ça m'énerve les gens qui jouent bien quoi. Pas de soucis Jace, transplane bien. Merci d'être passé du coup, ça fait plaisir. Ah, oh, c'est insane ce qu'il me fait. Franchement, ça devrait être interdit. Vais commencer à être bien bien salé quoi. En plus, je peux pas dub tant qu'il y a ça quoi. Ça me saoule bien pour le coup. Ouais, j'ai quand même un tour de sauce bien cosy. Ouais, je donne une vol au homard, on va dire ça. Il splash rouge? Ah ouais, effectivement, effectivement.
Ok, je vais terminer le tour et puis on va dégager les deux pour le coup. Ah, c'est vraiment horrible. J'avais adoré cette carte quand il l'avait montré. Je pensais même que ça allait être joué dans certains decks midrange. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de deck qui l'ont joué, quoi. Pas midrange, mais plus tempo, aggro contrôle. Mais comme il y a peu de decks qui ont été dans cette situation-là, bah, du coup, ça n'a pas été joué. Mais je pense que la carte était quand même vachement cool, quoi. En termes de gain de temps, ça rend pas mal. Il peut avancer la saga avec la 2-2 en rouge. Peut-être, Igufoy, je vois pas de laquelle tu parles. Dracon, j'ai pas envie de lui rendre le dracon, il va pouvoir le kicker. Ça va être juste chiant, du coup. On va pas faire ça. Ah non, il lui manque un mana pour le kicker. Ouais, c'est quand même pas worth de. Ah, on est d'accord que la carte elle est vraiment cool quand même. Il y a un truc à faire avec, je pense. Boons le homard, non, ça va aller. Oh, vous êtes vraiment fan de Meul, c'est ouf quoi. Ouf ouf ouf. J'ai envie de piocher une carte, mais je sais pas quoi Boons. Je sais pas quoi Boons du coup. Je crois que j'ai Boons, c'est ça. Dans l'idée. Ouais, ou le dracon. Ouais, c'est là de. On va kicker. Hop. Il lui reste 21 cartes, donc Boons et le homard, c'est pas très très worse. Franchement, ça me paraît pas être un bon play. Je pense pas. Ah, c'est nul, je veux pas ça, putain. Ça, c'est bien ça. Ok, on va proposer une sauce. Attends, il me renvoie en main. Ouais, toutes les créatures engagées. Ah! Quoi, je vais en proposer qu'avec ça du coup. J'ai pas envie de récupérer le homard dans ma main. Je vais essayer de garder mon board setup. Je vais récupérer un des servants pour le coup. Ouais, on est d'accord, Kyo. Ça dépendra de ce qu'il y aura au début de la rotation de jouable. Elle pourrait s'intégrer dedans. Non, je vais descendre mon Avemain aussi. Je pense que s'il a pas de quoi gérer le board à terme. Ah oh, bien joué. Il devrait quand même peut-être pas se remettre du nombre de cartes que j'ai. On va en dégager qu'un seul, comme ça on en récupère un en main, on pourra trigger sur trappeuse selon ce qu'il pose. Puis on continue à avoir du board présence, donc c'est bien. On a réussi à tourner autour de sa carte, mais il a gagné un temps de dingue. Donc elle a fait quand même beaucoup le café, surtout avec son Blink of an Eye. En français c'est. Avec son clin d'œil. Franchement, il a fait de la belle magie lui. Hein. Propre, rien à dire. 2-4 vols, m'intéresse pas trop, ça me fait chier même qu'il ait ça. 7 mana, 7 mana. Je commence à prendre trop de points sinon si je fais pas ça. Donc, je crois que je vais être obligé juste de saucer à la 3-3 et de faire lumière bénie. Ok. Voilà, jouer tranquillement. On va essayer de la gagner quand même celle-là, ce sera embêtant. Ah, même si franchement il mérite, hein, il a fait des belles choses. Ouais, Gran Torino, il est bien le film. J'ai vu, putain, moi je l'ai vu quand j'étais au lycée, donc il y a quand même vachement longtemps. Mais c'est vrai que j'en ai super bon souvenir. On va gérer la créature, hein, pas l'enchantement qui est attaché. Ça fera du 2 pour 1, ça sera beaucoup mieux. Pour le coup. Oh. Relou quand même. Hein. Les gens chiants. Ouais, il a dû mettre de l'ande en dessous. Du coup, je peux pas enchaîner à la fois dub et à la fois. Si, je peux faire dub et Pégase par exemple. Plus, plus 1, plus 1. Je crois que je vais faire un truc all-in et je me dis qu'il a pas de deuxième clin d'œil.
Homard volant, mais vous voulez absolument ça. Bah, c'est vrai qu'Homard volant ça bloque bien ça. En fait, je peux faire Homard. Donc 4-4 plus dub 6-6 volant. Lui mettre une tonge. Et lui derrière. Non, pas, c'est pas worse. Je peux descendre ça. Et après, je peux faire une grosse sauce. Je mets 4, 5, 6, 7, 8. 8, il est pas. Il est pas. Il est encore frais. Je suis obligé de mettre ça déjà. Ouais. Donc déjà je bloque bien. Ensuite je vais descendre sûrement ça. Sais pas si je garde mon tricks ou pas. Enfin mon tricks, mon dub pour pas lui montrer qu'il est potentiellement mort le tour d'après en vrai. S'il attaque avec tout. De toute façon, il n'attaquera pas dans Omar à moins qu'il ait un tricks de combat. Sauf qu'en bleu, il a pas de tricks, il a que des boons. Ouais, je vais quand même dépenser ma mana pour pouvoir faire coursier et dub au tour d'après. Ok, vas-y, ça me va. Ça me va, ça me va. Je peux pas attaquer malheureusement tant qu'il y a ça. Quoique 1, 2, 3, 4, 5. S'il a pas de boons, en fait, je dois attaquer, je pense. 5, je passe à 1. Et derrière, il est mort. Non, je prends pas le risque, je sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir et je serais trop déçu de la perdre. Mais en vrai, il y a un monde où j'attaque, je passe à 1 et le tour d'après il est mort en fait. Si lui décide d'attaquer, on va voir. Peut-être que j'ai été trop gentil, trop pussy. Ah putain, c'est chiant. Ah, ça c'est cool par contre. Ok. C'est compliqué. En plus, c'est beaucoup plus safe. Dub sur servant, ouais, mais ça fait une 3-5. Ça passe pas son 3, ça passe pas son 3-4. Du coup, pour le coup, ça passe pas Zaïd. Un peu relou, quoi. Là, à terme, je vais mourir s'il m'attaque avec tout, quoi. Donc, je vais être obligé de dub sur mon coursier, moi, pour pouvoir bloquer ça. Et puis espérer top decker un truc historique pour trappeuse et tuer le tour d'après, je pense. On va faire comme ça. Donc là, je bloque comme ça, je bloque comme ça. Il y a forcément deux qui passent, mais s'il attaque avec tout, il aura des trucs assez défavorables. Et après, je peux bloquer bien le reste. Ok, on va voir comme ça. Salut Lolo! Je pense qu'il y a moyen de mieux négocier la game pour le coup. Ah, il a pioché son rouge. Donc il doit avoir ses cartes rouges en main. S'il joue le pour 4, je te pète un land et j'ai deux bêtes imbloquables, j'ai perdu. Et ce serait bien qu'il le fasse pour le coup. Enfin, ce serait bien pour lui. Ça serait beau. Ça serait fort. Ça, c'est pas fort. Il me fait pas peur. On est un peu sur un board bloqué là pour le coup. Ça c'est bien. Ça se dire en mode tiens j'en ai une plus grosse que toi. Allez, je vais juste faire une garde board, je pense. Ok. Moi qui voulais être un peu aggro, du coup c'est un peu compliqué. C'est moi qui me suis fait bourrer au début. Il a plus de cartes en main que moi, donc potentiellement me faire. Je peux potentiellement prendre un mauvais tricks, une mauvaise cochonnerie quoi. C'est éphémère ou rituel? Ah ouais, il peut prendre clin d'œil, il se met trop bien, putain. Encore qu'il peut pas le jouer direct, quoi. Il va reprendre clin d'œil, ça va me faire tellement mal. Ah c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi j'ai quoi? J'ai rien.
j'attaque avec tout. J'attaque avec tout, il bloque avec tout, il me tue le tour d'après, donc c'est naze. C'est complètement naze en fait. Ça c'est bien ça par contre. 5, 6, 7. Ok. Tac. Ah putain, il est malin. Il est malin. J'aurais voulu qu'il me le tue en fait pour le coup, mais. Mais cet homme est bon. Du coup, vu qu'il est malin, je vais pas le prendre pour un zozo et je vais jouer ma carte. Pris celui qu'il croyait prendre. Est-ce qu'on va la gagner celle-là, à votre avis? Est-ce qu'il y a moyen de faire un truc? Hop là. Selon comment ça se passe, je pense qu'après je vais aller en quick play parce que je vous ai préparé un petit deck pour ce soir, un petit deck funky. Qui m'a fait passer un bon moment cet après-midi. Il y a moyen qu'on se marre un peu, quoi. Je regarde si vous avez encore de la musique, je suis pas certain. Non. Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai pas vu. Ok, il m'a mis deux blessures. Relou, ça. J'ai plus de chat, peut-être que... Ah si, c'est bon. Salut au coquin 84. Historique, si j'ai... Ouais, c'est pas assez fort. Le problème, c'est que si j'attaque avec Omar, il me fait un double bloc et je suis très déçu. Non, je vais rester comme ça encore. Bah, le problème c'est que si j'attaque juste avec le homard, même si j'ai initiative, je sais pas en fait. Attends. Parce qu'en fait si j'ai initiative qui me fait un double bloc, il m'emporte quand même le homard en fait. Grave. Ok. Parce qu'en fait même si j'attaque avec le homard, dans tous les cas il peut faire clin d'œil. Ah, je sais pas, peut-être que c'était worse d'attaquer avec le homard tout ce temps. Eh ben écoute, bonne nuit Davidial, merci d'être passé. Yes, à jeudi soir du coup. Ah, bien joué à lui. C'est fort. Ça c'est fort et ça me met dans la panade du coup. Parce que j'ai plus qu'un volant. Ok. Prostitution, ça, du coup, en somme. De toute façon, sinon, je suis mort. Meulé win. Ouais, ça va pas être possible. Ah, bah, bien joué. Il avait tout. En vrai, il avait fait beaucoup, beaucoup de magie avec son Time of an Ice. Et c'est clairement ce qui le fait gagner parce que j'ai pas eu le temps, du coup, de l'agresser correctement. C'est juste qu'il a eu cette carte et pas moi, et du coup on avait à peu près le même plan de jeu, et lui ça a donné ça quoi. Tant pis, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de victoires avec le paquet, mais là vu de l'heure qu'il est, et qu'on a déjà fait deux défaites avec, je pense que je n'irai dans mon coin ce petit draft. Je vous communiquerai le résultat à la limite si ça vous intéresse, je mettrai sur Twitter. Et puis moi j'ai envie de partir avec ça. Alors j'ai monté la liste cet après-midi, j'ai joué un peu et ça m'a fait bien rigoler. En gros, je voulais absolument jouer Salve d'Urza. Donc du coup, c'est un deck légendaire. Donc on va jouer Mox d'Ambre, on va jouer les Ovia pour rentabiliser rapidement le Mox d'Ambre. On va jouer des Gideon, parce que c'est un bon Planeswalker agressif.
Dans les bêtes légendaires, on va jouer Shalai et Teshar. Teshar, ça fait un petit peu de value, c'est pas du tout une optique combo. Voilà, après pas mal de cartes légendaires, l'elfe de Anor parce que c'est ok, et puis quelques planeswalkers, et puis salve désastreuse d'Urza qui va juste satelliser tous les decks midrange qu'on va rencontrer. Et ça m'a fait rigoler comme paquet, donc on va aller tester ça tranquillement. Du coup, j'aurais pas réussi à meuler avec le homard, je suis désolé. Mille excuses, les amis. Tenez, hop là. Ok, c'est une main un petit peu nulle, on va dire. Allez, on va dégager cette main-là. Ouais, on n'a pas de land, donc ça peut être gardable. Ok, allez, c'est parti. On va essayer avec ça. Et vous êtes toujours plus de 90, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas encore lancé de giveaway. Est-ce qu'il y a des demandeurs de clés dans le chat? S'il y a que très peu de demandeurs, à la limite, on s'embarrasse pas d'un giveaway. Faites-moi savoir ceux qui auraient besoin d'une clé, si vous pouvez parler dans le chat, s'il vous plaît. Et comme ça, j'estime à peu près le nombre. Si vous êtes 3 ou 4, je passe pas par le giveaway, comme ça je prends pas de pause et on fait ça tranquillement. Voilà. Ah bah The Coconut Man veut une petite clé, ok. Il y a toujours des commandeurs. Eh bah écoute, il faut bien, il faut bien. En même temps, plus on est sur le jeu, mieux c'est. Bonne soirée Laurent, pas de soucis, merci d'être passé. Ok, qu'est-ce qu'il va me sortir lui, Bad Piper? Ah bah ouais, il va me sortir la meilleure chose. Ouais, j'ai vu les artworks des nouveaux Ravland et ce n'est qu'en mon avis personnel, j'engage pas la responsabilité de PL là-dessus. Moi je les trouve dégueulasses. Genre moche, pas bien. Alors déjà que de passer de Ravnica 1 à Ravnica 2, je trouvais qu'ils avaient pris... Je trouvais qu'ils avaient une sale gueule, mais là on est au summum. Je pense qu'ils font exprès qu'à chaque édition, ça soit moins beau, quoi. Du coup, si vous êtes très très peu à vouloir une clé, je vous invite juste à passer directement dans le chat. Enfin, pas dans le chat, j'ai n'importe quoi. À passer directement en MP. M'envoyer un MP en disant que vous voulez une clé sur Twitch et je vous enverrai une clé demain dans l'après-midi. Alors, ok. Du coup, le mec joue gobelin. Sympa. Salut, petit Philippe. Bon, on n'est pas du tout d'accord, Valou. Eh ouais, non, mais je sais en plus. Hein. Je sais que PL lui m'a dit qu'il en avait certains qui trouvaient super beau. Mais moi, c'est en fait, c'est les originaux de Ravnica. C'est vraiment là où j'ai commencé à jouer au jeu de manière. On va dire correct, et du coup, j'arrive pas à les trouver beaux les suivants. Qu'est-ce qui se passe? Hop là. Ouais, je vais attaquer, dans tous les cas, je n'en ferai rien. Ah, je peux pas jouer mon land. J'ai un bug sur le jeu. Ouais, je les trouve pas très très beaux, moi les landes. Après, c'est perso, hein, ça. Et je peux pas jouer, j'ai un bug. Ah, c'est bon. Le jeu est bugué. Bah, après, Kyo, tu les trouves beaux, mais est-ce que franchement, par rapport à la réédition des. Enfin, entre les premiers Ravnica, les deuxièmes Ravnica et les troisièmes, genre, lesquels c'est que tu trouves les plus beaux? Ouais, c'est super viable, PM56. Même si tu perds 2 PEV quand ils arrivent dégagés, en fait, t'as le choix. Donc, t'es pas obligé de les faire arriver dégagés. Et en plus, Mono Rouge va sûrement s'écraser avec la Rota. Donc, en fait, du fait qu'il n'y aura plus Mono Rouge, du moins pour le début, il n'y aura pas de gros deck aggro. Du coup, tu peux te permettre de perdre 2 PEV pour te fixer. Et en plus, ils s'intègrent vachement bien avec les landes que t'auras dans Ixalan et Dominaria pour le coup. Vas-y, on se fait juste satelliser. Là, je vais relancer pour essayer de vous montrer une belle game avec le deck.
Ah ouais, tu trouves Dododus? Ah, je trouve que le casque me sied pas spécialement, mais écoute, j'ai pas le choix donc. Ok, ouais, bon, du coup, ça a marché. Ah, le bassin d'élevage premier du nom, c'est une pépite, franchement. Salut Astad. Putain, au bar, il me regarde, c'est beau ça. C'est beau, vous êtes bon. Buvez une bière pour moi, les gars. Le coucou APL, du coup. Putain, ce que je peux faire chez moi, que je peux pas faire chez PL, du coup. Ah bah oui, petit Philippe, pour le coup, la blague elle est déjà faite, ouais. Ok, ouais, allez, on va la garder, c'est pas dingue, mais... Ouais, j'irai peut-être revoir, enfin, vous êtes tellement à me dire qu'au final ils sont beaux que j'irai revoir, mais là, moi, de prime abord, ils m'ont pas... Ça m'a pas parlé, quoi. Pourquoi tu te prives, Kyo? T'as le droit de vaper, tu t'embêtes personne. Moi, au contraire, j'ai arrêté de fumer depuis 8 mois grâce à la vapote et voilà, j'incite personne. Je le fais et basta. J'en parle pas, y a pas d'incitation. Ne vapez pas, c'est pas bien. Ne fumez pas non plus. Moi, j'ai eu du mal à arrêter. J'ai arrêté grâce à ça et tant mieux pour moi, quoi. Si t'as des bonnes intentions, te prive pas, Kyo. Ouais, c'est toujours Princesse Leia style, effectivement, ouais. Du coup, j'ai même pas vu ce qu'il jouait, du coup. Allez, hop, c'est parti. Je crois quand même qu'on va setup Rikshar, ça m'a l'air supérieur. Même si ça retarde Gideon, au vu de ce que fait notre adversaire. Ouais, c'est de lui mettre un peu de sauce. Hop là. Ah merde, putain, je voulais cibler Shenna. Putain, j'ai encore perdu un dégât, gratuitement, bêtement. C'est con quand même, hein. Est-ce que je setup mon elfe? Pas trop d'intérêt. Je préfère maximiser mes dégâts, je pense. C'est Twitch friendly de vaper? Ouais, c'est Twitch friendly. Par contre, tu peux vaper. Salut Jadel Pico. Ouais, on a vu les nouveaux lands, petit pile. Ben justement, d'en parler, moi je les trouve pas beaux. Par contre, ils sont super forts. Enfin, en plus, ils s'intègrent super bien avec les anciens lands qu'on a déjà. Donc, de ceux qui arrivent d'étaper, si tu contrôles une île ou une forêt, enfin. Voilà, vice versa. Donc ouais, ils sont super cool. Et ouais, ils sont de retour. C'est la troisième fois qu'ils sont de retour. Donc bon, c'est bien, ça va les faire décoter un peu, même si ça coûtait pas non plus une blinde, quoi. C'est bien. J'ai rien d'autre à dire à part que c'est cool, quoi. Ah bah tu vois, j'étais tellement lent à jouer que ça l'a bandé, il s'est barré. Attends, j'ai du mal à jouer et à essayer de papoter avec vous. Ouais, bah c'est ça, c'est ce qui se couple avec les fetch en moderne en fait. Hop là, on va relancer. Les fetch, ça serait cool, ça a déjà été fait à Cannes of Tarkir, donc du coup, à mon avis, ils vont faire les fetch pour les fetch qui n'étaient pas dans Cannes. Les fetch de Zendikar, ils les mettront peut-être pour un retour sur un énième retour sur Zendikar, qui est un plan qui plaît aussi, peut-être. Ok, ah, c'est bien, j'ai pas de forêt. Ouais, c'est bien. Ok. Toujours pas. Propre. Je crois que le deck me fait caca dessus. Alors que cet après-midi, c'était une dinguerie. Hein. Les fetch, faut les ban. Mais t'es fou, quoi. Pourquoi faudrait ban les fetch? C'est les meilleurs terrains qui existent. Y a pas de raison de ban les fetch. C'est trop bien.
Ta playlist est finie? Yes. Je vais aller regarder ça si j'arrive à quitter le jeu. Hop là. On va la relancer, les amis. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de trouver. En fait, trouver des sons libres de droit, c'est super compliqué. Enfin, trouver des trucs décents, parce que moi, tout ce qui est techno, house et compagnie, je déteste. Donc, il fallait trouver des trucs un peu vlog, qui soient pas trop. Qui soient pas trop techno boom boom ou électro boom boom. Donc, des trucs un petit peu sympathiques et tout. Donc. Du coup, j'ai mis du temps à trouver ces musiques. Et du coup, j'ai pas encore de quoi tenir un live entier. Donc. J'y remets en boucle malheureusement, je suis désolé. Mais ça viendra, hein. À terme on aura des trucs sympas. C'est comme à la base, je voulais une playlist un peu rock ou quoi, mais le problème c'est que des musiques rock libres de droits d'auteur ça n'existe pas, ou alors faut trouver des covers. Mais un cover qui est bon déjà c'est pas facile, et où le mec chante pas, parce que j'ai pas envie d'avoir le chant d'un inconnu sur un cover de Metallica par exemple. Donc enfin bref, tout ça fait que du coup je peux pas mettre forcément la musique que j'aime, du coup je mets des trucs sympas. Ambiance un peu vlog, un peu Japon ou un peu des trucs d'animé, remixé un peu trap et tout. Voilà. Donc j'espère que ça vous déplaît pas trop. Que ça vous plaît même. Je t'autorise à piquer ma playlist, ça fera de la pub à une grande artiste. Bah écoute, j'irai voir ta playlist, ouais. Alors, Garfield84, coucou, en parlant de terrain, il me semble avoir vu sur votre live des cartes de terrain sans le texte avec une illustration sur toute la carte. Comment on obtient ces terrains? Je te montrerai à la fin de la game. C'est des terrains full art que tu peux avoir facilement dans. Enfin, qui sont accès à tout le monde en fait. Tout le monde y a accès, pardon, je parle même plus français là. Ok, on va s'arrêter là. C'est trop fort, ça rend les formats trop agressifs, flou que le moderne avec les fetch. Ouais, mais c'est pour ça, enfin, il y a plein de decks qui n'existeraient pas sans fetch, quoi. Ah, The Meme is back. Mais est-ce que Garfield fait exprès pour le meme, et du coup, moi, je suis beaucoup trop sympa pour voir le l'esbrouf, ou pas? Une streameuse américaine mettait du dubstep en boucle, et The Rise. Ouais, tu vois, tout ce qui est dubstep et tout, j'aime pas, quoi. Et pourtant, quand tu fais musique libre de droit... Les premiers trucs que t'as, c'est dubstep, techno, house. Franchement, c'est pas possible, quoi. Pas de soucis, Garfield, alors. Bah écoute, je te montrerai. En plus, tu es de bonne foi. C'est plutôt rare. Hop là, on va descendre Carnitou, je pense. Carnitou, comme si c'était mon collègue. C'est bien ça. Il joue cancel en plus. C'est genre cancel, c'est nul en plus quoi. Il a pas d'isolo le. Ils ont pas donné d'isolo? Mais si ils ont donné. Pourquoi il joue cancel alors? C'est donné d'isolo, je crois, c'est gratuit. Nujabes, je regarderai. Bah là j'ai regardé surtout des. Moi je regarde pas mal de vlogs Japon, de chaînes sur le Japon, de culture japonaise et tout. Parce que je suis fan de ça. Et du coup, j'ai un petit peu piqué, enfin piqué, je sais pas piqué, parce que forcément faut que ce soit libre de droit et ou mentionner la personne dans les vidéos si je poste le live. Et j'ai pris pas mal de musique, de vlog, un peu style Japon et tout que j'aime bien moi dans les vidéos que je regarde. Ouais, cancel on construit. Comment tu peux voir venir? Enfin, comment tu peux te prendre ça? Comment tu peux te prendre Dragon Dos derrière? Ça va juste me fumer pour. Juste me fumer quoi, c'est juste ça à me défoncer quoi, c'est énorme, incroyable, c'est ouf hein. Ah, c'est pas... Enfin en vrai je vais juste faire salve et puis ça va être cool mais c'est pas un préco, peut-être que c'est un préco, les précos je les supprime directement, je les ouvre pas donc je t'avoue que si c'est un préco, je le sais pas. Mais peut-être que c'est un préco, ouais. L'autre fois, dans une vidéo, on savait pas ce que le mec jouait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il jouait un préco kick. On nous l'a dit dans les commentaires. Donc, ouais, peut-être que c'est un préco, effectivement, ouais. Je vais prendre 7, je vais passer à 7, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout, du tout. Et je vais juste faire ça.
Et je vais prendre un contre et puis je vais remballer quoi. Ah bah ok, bah c'est exactement ce que je cherche du coup dans l'idée. Coconut. Donc c'est cool. J'irai voir si c'est libre de droit. À mon avis, c'est peut-être pas libre, mais c'est du genre tu peux les utiliser du moment que tu mets du moment que tu notes les crédits dans tes vidéos. Ok Kyo, du coup, merci pour le MP. Éloigne un peu ton micro, tu souffles dedans, ça fait des pocs désagréables à l'oreille. Ok, pas de soucis. N'hésitez pas à me le dire hein, si jamais vous avez des trucs désagréables comme ça. Et tout le temps que je setup bien, moi, je m'en rends pas forcément compte. Donc n'hésitez pas, hein, si vous entendez des pocs, dites-moi le directement, quoi. Ouais, la carte. Putain, ça, je peux pas ouvrir une forêt, c'est dingue quand même. Je peux ouvrir une vraie main. Est-ce que tu parles de la carte qui pour un donne des touch en éphémère, c'est ça? Ah, c'est fou quoi. Putain, ça me saoule. Je fais ça si tu veux. Ouais, j'ai jamais envie. Je vais jamais avoir le temps de la setup. Bah, PL m'a dit ça tout à l'heure et en répondant à Coquin84 en me parlant du hey, t'as vu pour un tu mets ça sur Chain Whirler, tu fais Rasboard, mais en fait non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que mono rouge, la base mono rouge s'en va. Donc du coup vous allez plus jouer mono rouge et donc vous allez pas vous imposer des contraintes de build énormes, c'est-à-dire de jouer Jund, mais de pouvoir faire Chain Whirler T3, ça sous-entend de faire une base rouge en fait, une base Red Deck Win. Parce que PL il me disait oui, mais il y a Grixis qui a joué Chain Whirler. Sauf que en fait, Grixis qui jouait Chain Whirler, c'était la base Red Deck Win où on rajoutait juste quelques cartes qui donnaient les couleurs Grixis, mais c'était pas un vrai Grixis. Alors là, si jamais tu veux monter un Jund, mais que tu veux rester sur une base mono rouge pour pouvoir te permettre de faire Chain Whirler T3, déjà tu vas faire des contraintes de dingue, ta base mono rouge elle sera sûrement naze au vu de la rotation. Donc en fait même si sur le papier c'est ok, je pense que ça sera pas joué, pas fort, pas, enfin genre j'y crois pas du tout quoi. Waouh, 2 Lyra Inchalai, franchement t'es bien, ouais t'es bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais jouer Jund pour ça, je pense pas. Je pense que c'est la fausse bonne idée du truc, quoi. Ok, vas-y, on va descendre Nissa. C'est sûr que si j'ai dit Blood Braid, il y a un peu plus de chances de jouer Chain Whirler pour le coup. Mais bon, ne rêve pas trop quand même. Genre. Faut pas rêver quoi. Et en plus, Blood Braid, c'était dans Alara, je crois. Tu vois, rien à voir avec Ravnica. Je les vois mal la rééditer maintenant. Oh putain, t'as le home de la multitude en plus, et franchement, c'est full spoiler ton draft. Hein. Lui va me jouer tous les knights de la terre, jeune homme. Alors. On va tout descendre, je pense. Ouais, j'avoue, il est vraiment le mec, il est chaud quoi. Bah lui joue le deck les visiteurs pour le coup. Là c'est Godefroy et sa troupe. Et sa troupe. Ok.
des blocs pour essayer de garder Nice à et vivre. Tu penses que. Bonjour, Saint-Denis, que trépasse si je faiblis. Il dit qu'il est né en 1052. À chaque fois que je lance, je pioche une carte. C'est correct. Ça me paraît moins correct que de faire des plus 1, mais c'est correct. Les chevaliers du Zodiaque, c'est mieux que les visiteurs. C'est moins drôle. C'est bien, mais c'est moins drôle. Du coup, je vais pas lander parce que j'en ai pas l'utilité pour l'instant. Et quand je ferai emblème, je serai content d'avoir des landes à poser. Pour le coup. Hop là. Bon, qu'est-ce que je pense qu'on va voir les Golgari rites morts où cette secte a été annihilée? Écoute, je sais pas, je me suis pas penché sur l'histoire de Ravnica second du nom. Donc je sais pas du tout. D'accord, il a décidé de full sauce. Bah, très bien. Très bien, très bien. Faire comme ça. Je pense que ça va se passer comme ça. Il va passer à 2. Par ok. Salut, Abrax Belgica, putain, moi je suis en train de dire salut Val quoi. Ouais, ce premier stream, bah écoute, ça se passe bien, c'est cool, ouais, tout le monde est sympa. J'ai eu du mal à me setup au début, mais c'est normal, je pense. En parlant de Deathrite, c'est pour quand qu'il la déban? Ah, tu veux son déban, Kyo? Elle vient d'être ban, donc. Non, elle vient d'être ban en leg. Toi, tu veux qu'il la déban en moderne, c'est ça? T'aimes la violence de Deathrite Shaman? Alors, oh lui on l'a calmé lui hein. Putain, bah elle est bien. Elle est bien mise dedans quoi. Ok, let's go. Ouais, j'avoue quand même, si tu te plains des fêtes, c'est que tu veux Deathrite. D'ailleurs, Deathrite sans fête, c'est vachement moins fort. Hein. D'ailleurs, Kyo, est-ce que tu prends ma suite au fait quand je finis après le stream? Est-ce que tu lances ton stream à la fin de celui-ci? Pour savoir. Oh bah c'est sympa ça, je préfère piocher une carte qu'avoir une carte nulle. Hein. Pour le coup. Merci. On va être safe. On va jouer safe. Yes. Ok. Mais tous les terrains sont censés être en full art, Garfield. Hein. Ok, pas de soucis, Kyo, ça marche. Bon, bah, je te ferai la passation. Alors, du coup. Pas pour tout de suite, mais vers 23h, je pense, un peu plus, 23h et des poussières. Commence à aller de setup vers 23h, je pense.
Pourquoi il double bloque pas mon land? Parce que si bah il perdait du board, je sais pas. Hop là. Écoute, le coquin 84 pour DBZ, moi c'est un jeu auquel je joue beaucoup, qui m'intéresse. Moi je fais des tournois et tout, ça me plaît énormément. Hein. Mais c'est du version papier. Et PL joue avec moi, mais s'investit pas spécialement dans le jeu. Et donc du coup, je sais pas s'il y a vraiment une réelle demande sur la chaîne pour avoir des parties papier sur ce jeu-là, tu vois. Genre on fait des unboxings, c'est déjà sympa. Ça a l'air de. Les gens sont contents parce qu'ils nous voient ouvrir des cartes entre guillemets. Mais je sais pas si sur une chaîne de Magic Arena, donc qui est une version numérique, on fait même pas trop de Magic papier pour le coup. Et ça, on a envie d'en faire un peu plus. Alors du coup, proposer du DBZ papier, je suis pas certain qu'il y ait des gens qui soient intéressés pour le coup. Je me trompe peut-être. Peut-être que je dis ça et au final on en fera, mais pour l'instant c'est pas prévu quoi. Ah, t'es déjà setup Kyo? Bon bah ça va, t'es bien. T'es bien, tranquille. Ah oui, non, tu as raison. Il y a des types de terrain full art, mais toutes les illus sont pas en full art, effectivement. Tu peux pas choisir exactement celui que tu veux. Ouais, elf, ça m'a l'air supérieur quand même. Ah bah d'accord, Kyo, mais tu précises pas, moi je connais pas tous les mèmes de Reddit. Voyons. Hop là. Allez, viens là, toi. Toi, t'es partant pour une petite vidéo introduction. Bah écoute, s'il y a d'autres demandes, à terme, peut-être qu'on fera, ouais, peut-être qu'on fera ça, ouais. Ah, si en même temps s'il a qu'un land en face, c'est sûr que le fun est limité quoi. Genre il y a le fun d'un côté et il y a j'ai un seul land, tu vois. Et tu peux pas lier les deux, c'est impossible. Mec, t'es sérieux Kyo? Tu kiffes Inkaze? Parce qu'Inkaze c'est une de mes cartes préférées gros. En même temps c'est l'époque où j'ai commencé à bien bien jouer à Magic Inkaze. Hein. C'était dans le pré-construit où il y avait JT du Mezawa mec. Donc genre Inkaze c'est genre là comme au niveau de kiffage de la carte aussi. C'est vrai que je l'ai jamais dit, je dis toujours Witness parce que c'est Eternal Witness ma carte préférée. Mais Inkaze... Mes collègues proches, ils savent que ça me parle beaucoup comme carte. Ça me parle beaucoup, beaucoup. Salut Katubu94. Bah stylé. Stylé, stylé pour du coup pour la foulard. Ah non, Inkai, ça me... j'adore la carte. En plus, je trouve que la carte, elle est OP, tu vois. Ah ouais, tu l'as mis en cadre et tout. Putain, trop chouette. Je suis chaud pour voir si un jour t'as une photo, tu me la mets dans le Discord ou quoi. C'est pas nul Inkaïs en plus, hein. Franchement, à l'époque c'était correct quoi. C'était de la belle. Ouais, ok, vas-y, on va garder ça, c'est pas incroyable. Elle est dans illustration? Bah non, mais je remonterai le channel, t'inquiète. Cadre est pas du tout droite, incroyable. Si je descends là, on sert à rien. Ok. J'ai la foi, bah oui, j'ai la foi, bien sûr. Ah merde, putain, c'est une créature légendaire, mais ça trigger pas sur Mox d'Ambre, je suis con moi.
Parce qu'en fait, Moxamp, ça donne forcément un mana coloré, ça peut pas donner un mana non coloré. Merci à Pitomi85. Là, je viens enfin de voir le follow, mais je l'entends pas en fait. Si j'ai pas l'œil sur ce qui se passe là, je vois pas le follow. Donc, du coup, merci. Salut Derdan, bah écoute, cette soirée, ouais, c'est bien passé, j'imagine. Faut demander plus aux viewers qu'à moi pour le coup, mais de mon côté, ça s'est bien passé. Un peu compliqué pour me setup dès le début. Un peu plus compliqué aussi, forcément, pour animer le chat, vu que c'est mon premier stream, tout ça, tout ça. Et que c'est beaucoup plus simple quand on joue pas. Moi, j'ai du mal à jouer et à animer. Du mal à bien jouer, en tout cas, si j'anime. Donc, du coup, juste 2-3 marques à prendre, mais bon, après, comme ça va être toutes les semaines, ça va être cool, je pense. Il y a moyen de bien s'amuser, je pense. Ok, alors ce qui se passe, c'est juste méga naze. Les Mox n'aiment pas les Eldrazi, bah ouais, visiblement. T'as la sortie est juste nulle, quoi. On dirait que le deck. Enfin, je sais pas, que c'est un deck pourri, quoi. Salut à Pitomi85, qu'est-ce que je pense du deck vert-blanc Saproling? J'en pense que c'est correct si Goblin Chan Whirler n'existait pas. Mais comme il existe, je pense que c'est trop faible. Après, ça a le mérite d'être au moins rigolo et sympathique, quoi. Ça sera pas top tier, mais le deck est cool, ouais. T'en fais pas, c'est un métier, il faut apprendre, c'est normal. Bah ouais, écoute. Hein. Forcément. Ah, je suis con, putain, j'aurais dû piloter mon cœur de Kiran. Mille excuses. Tu vois, j'étais occupé à répondre aux gens et du coup, je joue un peu machinalement. Tarkalion, bah salut déjà, bienvenue vu que t'es nouveau. Et au niveau des clés, putain, mais n'importe quoi la cam. Pour les clés, je t'invite à venir en MP. Tu viens en MP, tu là sur le channel de Twitch, tu me fais une demande et puis je te donnerai une clé demain. Le temps de. Parce que là ce soir je vais des setups et tout tranquille et puis je vous envoie les clés demain, ouais. Et du coup, merci pour le sub. Et je comprends pas pourquoi j'ai configuré le bot, mais le bot ne m'affiche pas les subs. Je suis désolé du coup. Donc merci pour le sub de Arthur. Il faudra qu'on fasse 2-3 réglages avec PL parce que j'ai pas les annonces de sub et j'ai pas le bot qui est configuré qui remercie les subs dans le chat. Je sais pas pourquoi. Donc je suis désolé pour ceux qui ont sub et que j'ai pas vu. Ceux qu'on follow aussi et que j'ai peut-être pas vu, voilà, je suis vraiment désolé. Je pense que tout n'était pas au point. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est qu'il me joue lui? Il me joue un Abzan bizarre. Initiative, initiative, les deux ont initiative, donc je me fais saucer fort. Mais fort, fort, fort. C'est un peu tout naze quoi. Hop là. Du coup, t'es Terrakalion, vas-y, hein, tu peux Tarkalion, pardon, tu peux venir directement là, essayer de Wisp, donc de nous parler. À la limite, je mets juste un petit mot dans le chat et comme ça, vous avez juste à cliquer sur Valepel Magic Arena FR pour nous envoyer un MP pour tous ceux qui veulent une clé. On sent que c'est le retour des classes. Ouais, après, peut-être aussi c'est les streams solo, tu vois, peut-être que les gens préfèrent nous voir en duo aussi, Kyo. Doit y avoir de ça, mais doit y avoir aussi le fait que ce soit les streams en solo. Soit
faut voir, peut-être qu'il y a une petite baisse aussi. Ouais, je t'avoue que je sais pas. Je continue à me faire saucer fort. Hein. Vas-y, c'est pas grave. Faudrait que je pioche une salve d'Urza. Je me remettrai un stand. Non, en fait, il fallait que je pioche un land dans tous les cas. Donc. Non, c'est fini, je vais piocher pour voir ce que j'ai. Ouais, et puis c'est mardi, c'est vrai qu'il y a pas mal d'habitués qui sont pas venus parce qu'ils sont pas encore au courant. Faudra qu'on fasse l'annonce sur une vidéo YouTube, c'est prévu. Donc on aura le planning qui sera annoncé pour une vidéo YouTube prochainement et je vais quitter cette partie qui me paraît bien trop mal engagée. Ouais, le prime time, ça se fera plus que le jeudi, ouais. C'est plus Adrien à Dreux, je trouve. Bonne complémentarité et deux fois plus de vannes. Mais en fait, l'avantage à deux, c'est qu'il y a vraiment un mec qui anime. Et moi, j'adore juste parler au chat, en fait. Tu vois. Ou alors, j'adore jouer. Mais faire les deux à la fois, j'ai beaucoup de mal à voir mon niveau de jeu, a beaucoup de mal à s'en faire ressentir quand je m'occupe du chat. Et animer le chat, du coup, c'est compliqué. Mais bon, ça se travaille, je vais apprendre à le faire, entre guillemets. Alors que quand on est à deux, il y en a un qui joue, il y en a un qui fait que le chat. Et ça, moi, c'est pépite, quoi. Après, c'est quand même bien qu'on apprenne à, entre guillemets, à s'en sortir solo, quoi. Fini bien, Val, c'était cool ce premier stream en solo. Ciao, et bah écoute, bonne soirée, Vlad, si tu t'en vas. Val, des conseils de deck pour bien débuter une game. Écoute, on a deux vidéos qui traînent sur la chaîne où on propose des decks free to play quand tu arrives sur le jeu. Ou du moins maintenant pas très cher à crafter vu qu'ils vous donnent peut-être plus de wildcard. Ouais, je vais ouvrir mon booster si tu veux, Bojo. Du coup, je t'invite plutôt que là de partir sur un conseil qui va ne servir. Oh cool. Qui va ne servir qu'à toi et du coup qui va peut-être embêter les autres. Je t'invite à aller voir une de ces deux vidéos. Et je te conseille même pour t'aiguiller vraiment, la vidéo où on montre le deck vert noir parce qu'il est assez facile à jouer pour le coup. C'est vert noir et c'est une vidéo débutant free to play. Tu devrais trouver facilement. En plus, j'ai fait des playlists sur YouTube. Donc tu as juste à aller dans playlist vidéo débutant. Et là, tu vas débuter là-haut quoi. Genre, tu vas arriver direct, t'es une fusée quoi. Donc ça va être bien pour toi. Je savais que tu étais pas. Ah d'accord, putain, tu parles à Pio, à Akio Derda. Yes, non, non, mais je me dévalorise pas, Kyo, loin de là. Après, moi, je sais que je suis chaud aussi de streamer en solo, hein. C'est pas du tout le problème. C'est juste que c'est une facilité d'être à deux, on en a bien conscience, quoi. On en a bien conscience. Faut pas se mentir, c'est quand tu te lances à deux, rien qu'à l'époque de te lancer à deux, t'as un certain confort quoi. Et du coup c'est cool. Après maintenant la solo c'est cool aussi quoi. Allez juste tant pis, c'est parti, on espère rencontrer les decks contrôle. Ouais carrément, Bojo a raison. Vous pouvez passer sur le Discord pour tous les gens qui nous découvrent peut-être ce soir ou qui sont pas habitués au Discord ou qui nous ont jamais entendu en parler peut-être, même si on en parle quand même dans toutes les vidéos. Passez faire un tour sur le Discord, sur le lien qu'a linké Bojo. C'est le Discord donc de tous les gens qui suivent la communauté entre guillemets Valépl, Magic Arena FR. Pas forcément, vous n'êtes pas forcément obligé de kiffer ce qu'on fait avec Valépl. Vous pouvez juste être joueur de Magic Arena et vouloir discuter avec d'autres gens qui aiment le même jeu que vous, pour le coup. Ça marche aussi. Et puis il y a plein de salons différents, il y a des salons de parrainage pour apprendre à jouer ou pour coacher des gens. Il y a des salons où vous pouvez voir d'autres streamers ou d'autres vidéastes sur YouTube qui font aussi du contenu. Il y a des salons justement cartes à craft. Il y a des salons, il y a un salon liste de cubes où on propose un cube élaboré par nos soins. Plein de choses comme ça, donc voilà, pour ceux qui sont pas encore sur Discord, là on est plus de 600, bah allez-y. Franchement c'est cool, il y a plein de gens sympas, bonne ambiance. Vous avez un général qui est quand même animé assez régulièrement pour le coup. Donc c'est cool. Oui, et puis tu peux. C'est vrai, en plus, j'avais pas pensé, Kyo, mais Kyo, il fait des lives où il propose des decks free to play. Donc du coup,
coup, oui, pour commencer, pour revenir à celui qui demandait comment bien commencer, tu peux regarder les streams gratuits de Kyo. Tu as commencé les Magic sur l'ordi ou les cartes en papier? Ah non, moi les cartes en papier, ça fait presque 20 ans que je joue. J'ai commencé quand j'étais peut-être en CM1, je crois, un truc comme ça. Après, j'ai commencé à comprendre le jeu, les mécaniques, le format vraiment quand j'avais 14 ans, donc à l'époque de Kamigawa, Ravnica. Donc, non, ça fait quand même belle durée que je joue, quoi. Non, n'écoutez pas Yugufoy, il dit des conneries. D'ailleurs, le Discord est super propre, les gars. Ça doit vous pomper du temps à mort de modérer, non? Écoute, c'est les modos qui font un travail exceptionnel que nous ne saurions effectuer, PL et moi, faute de temps. Donc, c'est Kyo, Lancelot, Bojo, Astellan, KO aussi qui fait le référent judge, qui sont à l'origine de ce chef-d'œuvre. C'est vrai, Kyo? Eh ben écoutez, ce soir on raid Kyo, il fait 90 viewers et on le filme en train de courir à poil dans la rue. Ça vous va ou pas? Quel est le tricks de cet homme? Sûrement un choc. Ah mais ça vend bien le coup de taser, Kyo. Ça vend bien. Dites-moi les gars, il y a des fans un peu d'anime japonais, de manga, de choses comme ça dans le chat un peu? Est-ce que vous avez un petit peu la culture otaku, la culture geek japonais ou quoi dans le chat, dans nos viewers un petit peu? Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Je suis un peu curieux quand même de savoir un peu ce que les gens aiment, savoir si on partage d'autres passions que Magic entre guillemets. Parce que là, on se réunit tous pour Magic Arena. Et moi, faut savoir que des passions, j'en ai plein. Je sais pas que les jeux de cartes en général, quoi, pour le coup. Je suis le genre de mec passionné avec plein de hobbies, presque des lubies des fois, et ça change, j'en ai plein. Et j'en ai que je garde depuis super longtemps, quoi. Yes, Japon Forever, ah, t'as bien raison, Zirko. Il y a peut-être des chances pour que j'y parte en février, mais c'est très compliqué. Il va falloir mettre beaucoup de sous de côté petit à petit, quoi. Si tu veux jouer à la course, My Fist, à mon avis, tu vas pas gagner, quoi. Mais en même temps, je vais pas gagner non plus. En même temps, si, je peux quand même gagner à la course. Allez, vas-y, on va faire aucun blocage. Pas du tout, plutôt BD. Il y en a qui mangent des cartes, d'autres qui se font taser. Ah ouais, mais dans les deux cas, ça fait un bon buzz positif, ça, Ezekiel Mock. Ah, il m'a fait cut, ouais, putain, je le savais. Je me suis tâté à bloc juste parce que je pouvais prendre cut. C'est pas grave. C'est grave? Non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Non, c'est pas grave. On va faire Brontodonte, ça bloque bien. Deux parties, deux lyres à poser, deux victoires. Avec le petit gobelin qui sacrifie pour donner un rouge, ça va très vite. Le draft commence bien. Bah écoute, félicitations Julio. T'as un draft qui va se passer vachement mieux que le nôtre, je pense. Bleach, Naruto, Radiant, The Promised Neverland en manga. Et j'ai pas encore lu. Après, moi je suis plus fan d'anime que de manga. J'ai lu beaucoup de mangas quand j'étais jeune. Maintenant, je prends moins le temps de lire les mangas. C'est plutôt mes collègues qui achètent les mangas et qui me les prêtent s'ils sont vraiment valables. Après, moi je suis vachement animé par contre. Je regarde beaucoup d'animés. Otaku présent. Yes. As-tu vu A Silent Vivi? Non, j'ai pas vu. Salut Gélosios. Il fait très très froid selon là où tu vas, mais c'est sublime l'hiver au Japon. Ouais, alors en février il fait 6 degrés l'hiver. T'inquiète, je me suis déjà renseigné. Ouais, je vais pas jouer à la course. Ouais, il fait 6 degrés effectivement, mais c'est moins cher et ça serait le seul créneau où on pourrait partir avec ma chérie donc. Si jamais on doit y aller, ce sera en février. Non, j'ai. Ah si, Shape of Voice, Silence, je suis con, moi. C'est le film qui est sorti au cinéma, là. Ouais, je l'ai vu il y a 5 ou 6 jours, je crois. Si, si, je l'ai vu. C'était cool. Et je pense d'ailleurs que si t'es pas fan de culture japonaise, que tu sais pas un peu comment marche la société japonaise,
Genre, tu vas voir ce film comme si tu voulais regarder un Ghibli ou quoi, mais tu connais pas du tout les mœurs, entre guillemets, de la société, leur façon de se comporter socialement. Je pense que tu comprends pas le film. Vraiment, tu comprends pas pourquoi il y a plein de non-dits, tu comprends pas pourquoi juste ils ne se mettent pas autour d'une table pour tout régler et parler en fait. Je pense que c'est un film qui est quand même dur à apprécier si t'as pas un minimum d'investigation sur comment marchent les rapports humains au Japon. C'est que mon avis, hein, mais voilà quoi. FMA, toujours mon anime numéro 1, c'est pas mal FMA. Oui, Brotherhood, évidemment, Petit Philippe, il n'y a pas de doute. Bien que le premier FMA, j'en ai des souvenirs d'enfant, c'était quand même sympathique, mais la base reste la base. Qu'est-ce que je fais, moi? J'adore les mangas, mais le pire, c'est ma copine, c'est une véritable bibliothèque Jap. Elle a d'ailleurs décroché un job parce qu'elle est bilingue Jap. Bah, félicitations, ça c'est pas mal d'être bilingue Jap, j'aimerais bien. J'ai jamais pris le temps d'apprendre, mais j'ai toujours voulu le faire. Mais c'est. T'as des envies que tu n'assouvis pas parce que tu prends pas le temps de le faire pour le coup, quoi. Je suis en train de juste me faire saucer dans cette game. Chatty chatty, burger obligatoire si tu vas au Japon. Les vrais savent. Ici, ceux qui regardent ici Japon savent surtout Zirko. Mais bien sûr, chatty chatty, j'ai hâte. J'ai hâte. Death Note en animé, c'est dingue. Et en manga, ça l'est encore plus. Ça se fait partie des rares trucs que j'ai lus. Hein. Moins 38 là où j'étais. Moins 38. Ah, mais c'est des fous. Mais moi, je vais à Tokyo, gros. Je vais pas en Sibérie, gros. Death Note, ouais, c'est grave cool. Après, je dis pas que c'est surcoté. C'est super bien, Death Note. Hein. Mais tu sais, quand tout le monde te dit Death Note et tout, il y a plein d'autres trucs qui sont dingos, quoi. FMA passé sur Canal en clair, on est tombé dessus au pif à l'époque avec ma soeur, on a kiffé de suite. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, normal en même temps. Comment on fait pour bloquer le vol dans un deck comme le mien? Tu le bloques pas, je crois, tu meurs, tu décèdes. Ici Japon, en dessous de Valet PL, fou. On n'y est pas encore, hein, franchement. Tac, 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 il va me remettre 3, j'ai aucun moyen de vivre. Alors, je ne m'embête pas plus. Berserk, c'est lourd. Berserk, c'est lourd, mais tu vois, j'ai la flemme de lire les scans, donc du coup, je patiente, comme tous les gens qui ne savent rien sur la suite, quoi. Tokyo, vive les villages paumés au pied de Fujisan. Alors oui, mais pour un premier voyage, je pense que Tokyo c'est ok. Et comme pour bien visiter Tokyo, il faut quand même au moins une semaine, genre 7 jours. Je pense qu'à ton premier voyage, tu pars que 10 jours, t'as pas le temps d'aller faire la campagne quoi. Alors nous on aimerait bien, tu vois, on aimerait bien partir 11 ou 12 jours et avoir le temps d'aller peut-être un peu se perdre en campagne. Mais ça va être quand même limité quoi. Je peux pas ouvrir une main avec Elf Tour 1, style Yves T2, genre le but du deck. Helsing Ultimate, c'est Dard, ouais, Dardan. Et toi, Val, quelle est ton actualité otaku? Bah, en ce moment, l'attaque des Titans, ça a repris, donc moi, je suis hype over 9000, forcément. Après, mon actualité otaku, en ce moment, je suis My Hero. Enfin, je suis les mangas du moment, quoi, actuellement. Après, des mangas, j'en ai fait une chier, quoi. Pour moi, le meilleur shonen de tous les temps, c'est Hunter x Hunter. Genre, y a pas de... je comprends pas les gens qui n'aiment pas ou qui critiquent Hunter x Hunter. Je trouve que c'est tellement supérieur à tout. Mais pourtant, je suis un grand fan de Naruto. Hein, mais donc voilà. Après, mes animes préférés, il y a Code Geass dedans. Mais en ce moment, je fais surtout My Hero et comment ça s'appelle? L'attaque des Titans. Et je regarde aussi le remake d'Olive et Tom, Captain Tsubasa. Parce que c'est ma jeunesse et que ça me faisait bien kiffer à l'époque. Tu es un sorcier, Harry. Merci pour le sub, Rius le vrai. Et là, du coup, il y a Moubot qui a remercié le sub. Donc du coup, c'est qui marche, c'est cool. Il faut 2-3 semaines pour Tokyo, en vrai, il y a trop de trucs à faire, crois-moi. Ouais, non, mais bien sûr, mais bon, tout le monde peut pas partir 2-3 semaines, tu vois. Et de ce que j'ai lu, entre guillemets, de ce que j'entends ici et là,
Il faut 7 jours pour le faire de manière sommaire, mais de voir un peu tous les quartiers, tu vois. Si tu veux faire Akihabara, Shinjuku, Shibuya, je sais pas, Asakusa, le parc de Ueno, Odaiba, voilà. Tu peux tout faire, tu peux faire ça en 7 jours, entre guillemets, de ce que j'ai compris, hein. Juste, on sera obligé de retourner au Japon du coup. Ah ouais, bah ouais, mince, c'est dommage. Ça a l'air embêtant, voyons. On va setup ça, c'est fort. J'adore. Alors cette carte, j'adore. Franchement, je suis trop deck qu'elle s'en aille. J'adore la carte. Hunter, Hunter, supérieur à tout. Exactement, la base. Et Seicho-chan, ce qui passe en ce moment, ça passe sur quoi? Je suis désolé, voilà, dès que je commence à animer le chat, j'arrive plus à jouer rapidement, je suis désolé. Samouraï Champloo de la bombe, eh ouais, le samouraï qui sent le tournesol, c'est ça? C'était trop trop bien ça, j'adorais la BO. Un peu hip-hop et tout, là, comme ça, c'était cool, c'était grave cool. J'espère que j'ai cliqué sur le bon, parce que j'ai pas fait attention à celui qui avait le mal d'invocation. Pour le coup. Ah, j'ai cliqué sur le mauvais. Voilà. Félicitations. Félicitations, Val. Tu regardes pas ce que tu. Ah non, c'est bon. Bon, on est en train de le saucer tranquillou, hein. Ok, Derdan. Bah écoute, ouais, peut-être. Hein. Kenshin le vagabond, ouais. Kenshin le Vagabond, mais c'est vieux, tu vois, j'en ai pas de souvenirs récents. Bientôt faudra 6 mois pour tout voir à Tokyo, non mais j'avoue. Perso, j'ai fait 2 semaines, 15 jours sur place, de mi-avril à mi-mai. Oh, t'as dû te taper les Sakura du coup. C'est cool ça. 7 jours pour Tokyo, c'est bien, mais tu traînes pas, tu marches tout le temps sans avoir trop le temps de te poser. Ah ben de toute façon, moi, je pars à 8h du mat et je rentre à 20h tous les jours si je suis à Tokyo. Et hors de question que je reste dans mon Airbnb ou quoi. Genre, je cravache de ouf. Tu peux tout faire, mais il faut en profiter, c'est ça le problème. Perso, j'ai pas eu le temps d'en profiter quand j'y étais. Surtout que j'avais une double date de concert à faire au Budokan. Et depuis, je suis en manque de ma dose. Double date de concert, pourquoi tu jouais? T'avais un groupe? J'apprends des choses sur Kyo. Beau de Nujabes, justement. Afro Samouraï, si les gens connaissent, c'est fou niveau animation. Ouais, c'est grave, c'est vieux Afro Samouraï, mais c'est vrai que c'était grave cool comme animation. En jeu vidéo, il y a Ghost of Tsushima qui va être ouf. Eh ben écoute, je valide fortement, ouais. Enfin, je sais pas s'il va être ouf, mais en tout cas, il est hypant, ouais. Bon, allez, vas-y, on va regarder ça. Ah, j'ai pas vu qui c'est qui commence. Ah, ça, il devrait le marquer quelque part qui c'est qui commence. Putain, c'est relou, quoi. Ah du coup je prends pas au cas où. Chier. Taper un Sakura, c'est un peu weird. Ouais j'avoue. C'est une expression. Vas-y, j'ai pas envie de ramper. On a pas besoin de ramper en vrai, je pense. On va jouer juste aggro. T'es allé voir Jirangré, ils faisaient leur gros concert au Budokan, l'une des deux salles les plus mythiques du pays. Ah ok, ça va. Ah ouais, t'écoutais ces genres de bails-là, Jirangré? Ils sont vénères, ouais. C'est une espèce de visual kei, un peu métal japonais. Parce que moi, je suis très métal, mais j'avais un petit peu de mal avec les délires japonais sur le métal. Autant, tu vois, je valide tout ce que font les japonais. Mais vraiment, tout ce que font les japonais, je valide. Mais autant dans le métal, je les trouve vachement chez Père, quand même. Comment se passe le premier stream solo Londus Boob? Bah écoute, il se passe bien. Il se passe bien, c'est cool. Tranquillement. Ok, Narcotech, bah écoute, si j'ai le temps, pourquoi pas, ouais. Pourquoi tu crois que mon pseudo égale Kyo? Ça aurait pu être pour Samurai Deeper Kyo, hein. Putain, je lisais ce manga quand j'étais. C'est un des premiers mangas que j'ai lu, c'était de la bombe.
Apparemment, le mec en face a pas envie de rire, non? Bah, ah, on est habitué à force, hein. En tous les cas. Après, moi, je vais pas rigoler non plus, hein. Ouais, bah, je ferai comme toi, Julio, hein, je pense. Bonne soirée, Val. Je vais devoir déco. Super premier stream et bon stream à toi, Kyo. Écoute, merci beaucoup, The Coconut. Merci à tous ceux qui sont restés. Je vois que ça commence à partir petit à petit. Peut-être que vous avez. Enfin, ouais, peut-être que vous travaillez demain. Donc, je vais. Après cette game, je vais laisser la place à Kyo, du coup. Je pense que petit à petit, là, il n'y a que les résistants qui vont rester. Je suis désolé du coup Kyo, on te vole ton horaire de 20h30. Là, j'ai pas vu ce qu'il a fait, il a empêché de bloquer sur Galta, c'est ça, hein, on est d'accord? Deuxième semaine, on a visité Kyoto et Osaka, 3 jours et 3 jours, avec un passage au mont Kurama. Oh, c'est le nom de Kyobi. Pour faire un peu de grimpette et finir par un onsen au pied de la montagne. Magnifique. Putain, vous me donnez trop envie là. Allez, ciao, mono rouge. M'a bien saoulé, toi. Je suis en vague jusqu'au 10, pour ma part, je suis tranquille. Ah, écoute, t'as bien de la chance. Eh ben écoute, merci beaucoup Zirko, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je pense qu'on a mieux fini que ce qu'on a commencé pour le coup, mais c'est cool, ouais, c'est cool. Merci, merci d'être resté jusqu'au bout. Bah bien, falloir que je m'y fasse, c'est vous les stars. Ah, t'as tous les autres jours, t'as tous les autres jours. Mais c'est pas nous les stars après, hein. On est tous en partie, on participe tous à la même communauté et à terme, je pense que quand le jeu va éclater, je pense qu'on va tous éclater. Il n'y aura pas de plus grand que d'autres. Je pense qu'on a tous notre place. Et c'est ça qui est cool en fait. Moi, je trouve ça génial. Une espèce de fédérer une grosse communauté qui est plein de streamers, plein de vidéastes. Que le jeu soit vraiment porté. Et plus il y aura des gens qui feront connaître Magic Arena. Et plus. Plus nous déjà on aura de la visibilité et plus il y aura des événements, des tournois, des choses comme ça. Ça va être dingue, ça va être dingue. On va kiffer, je pense. On va kiffer de ouf. Bonne nuit Quentin. Bonne nuit, à bientôt. À bientôt. Merci d'être resté pendant le stream. Merci à tous. Oui, tu tournes au TVR, du coup tu peux tenir la nuit. Bon, ça va, c'est cool alors. Allez, moi je t'avoue que demain matin je commence à 7h45, donc même moi je vais plier bagage là. 2500 euros en comptant tout. Ouais, bah ouais, je me doute bien, Julio. Bonne nuit à tous, bonne nuit tout le monde. Du coup, moi c'est la fin, je vais m'arrêter là pour le coup. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Écoutez, moi je suis plutôt content de commencer les streams en solo. Bon, bien sûr, je suis vachement content du coup jeudi de retrouver mon acolyte aussi. Il m'a un peu manqué ce soir. Et puis j'essaierai d'être un peu mieux setup pour les prochaines fois pour perdre moins de temps au début. Merci à tous ceux qui ont suivi tout le stream. Merci à ceux qui ont sub. Merci à ceux qui ont follow. Désolé si j'ai pas remercié tout le monde. Si j'ai peut-être loupé quelques subs, quelques follow. Malheureusement, j'en suis désolé. Merci aux modos qui étaient là ce soir. Qui, comme d'habitude, sont royales. Qui animent le Discord de manière extraordinaire. Passez sur le Discord si vous voulez. Ne serait-ce qu'être courant de l'actualité de Valépelle Magic Arena FR, de voir tous les salons qui ont été créés, toutes les discussions fort sympathiques et tous les acteurs entre guillemets de cette communauté. Et puis voilà, écoutez, je crois qu'on est bon. Maintenant, je vous invite à finir la soirée sur le stream de Kyo. Je vous bascule tous, on va faire un raid, donc vas-y Kyo, tu peux aller te setup et puis je t'envoie mes petits viewers si jamais ça vous intéresse d'aller voir Kyo. Voilà. Je lis tout coup les commentaires. Bonne nuit à tout le monde.
Ok. Je laisse juste le temps de à Kyo d'aller setup un chouïa. Allez, nickel. Bon, sur ce, je vous fais tous des bisous. À bientôt. De toute façon, il y aura la rediff sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu finir. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.